Pirates. Marcel Pagnol, nous sommes dans votre bureau. C'est là, je pense, que vous écrivez vos livres. Oui, c'est là que je travaille paisiblement. Il n'y a pas de bruit ici. Voilà la grande merveille. On n'entend pas passer les voitures. Et dans ce bureau, il y a beaucoup de livres aussi, pêle-mêle. Il y a encore des tas d'autres pièces avec des livres. Oui, bien sûr, là, plus haut alors. Oui, mais ce ne sont pas de vos livres toujours, c'est des livres lus. Et là, je vois en me tournant tout autour des tas d'éditions que je ne connais pas. Il y a des livres d'ailleurs ceux-là, avec... Ceux-là, ce sont ceux auxquels je tiens le plus, parce que ce sont des livres scolaires. Ah, n'est-ce pas ? Des livres scolaires. Qui sont en usage dans les lycées ou les écoles. Un jour, mon père lisait à la campagne un roman d'Émile Henriot qui s'appelait Le diable à l'hôtel, qui d'ailleurs est un livre très charmant. Et mon père me dit, ce livre est extraordinaire, cet auteur a un très grand talent, son livre est plein de dictées. N'est-ce pas ? Et bien moi, bon, c'était le rêve de ma vie de faire un livre où on prenne des dictées. Eh bien, justement, on en a pris. Pour moi, fils d'instituteur et ancien professeur, c'est le comble de la gloire. C'est d'être expliqué dans les écoles à des enfants. Marcel Pagnol, je pense que vous avez été un bon élève et que vous avez dû retenir quelque chose de vos lectures en classe. Oui, surtout d'ailleurs les auteurs latins, n'est-ce pas ? En Provence, les enfants, les élèves de lycée, ont un gros avantage sur les élèves de lycée de Lille ou de Roubaix. C'est que lorsque j'étais enfant, il y avait encore des gens en Provence qui ne parlaient pas du tout le français. Dans des villages qui étaient, par exemple, La Treille, qui était à 13 km de la mairie de Marseille, j'ai connu des vieilles paysannes qui ne parlaient pas un mot de français et qui le comprenaient à peine. Alors, je parlais provençal pendant mes vacances. Et le provençal est une admirable langue romane qui est beaucoup plus près du latin que le français. Il reste d'ailleurs encore, même aujourd'hui, des expressions purement latines. Le matin, quand on se rencontre, on se dit « Que novi ?»« Que novi ?» c'est « Quid novi ?»« Quoi de neuf ?» C'est du pur latin. Ça, c'est le dictionnaire de la conversation. Il y a 52 volumes. Ah bon ? C'est pour pouvoir parler à table, n'est-ce pas ? Lorsqu'on va dans un dîner, vous cherchez un personnage là-dedans, et si vous avez un ami pour vous poser la question à table, vous êtes extrêmement brillant. C'est-à-dire ce dictionnaire avoue qu'il a été fait pour ça. Eh bien, je vous remercie, Marcel Pagnol. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours la même chose, et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais, qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça, on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurais jamais rien. Tu as pris, toi, des croissants? Ah, naturellement, j'avais pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre. Et qu'un grand galavard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Oh, que non. Bon à rien, mais ce serait encore trop dire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Dire ce pâté de foie, c'est celui que les clients te refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, lui. Aigrement, lui, pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerais plutôt de la mortora. Et son rôti de porc, il est avarié. Une personne l'a mangé de seule tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie, tranchée. Adieu, Graziani. Oh, Irénée, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a 76 ans. Elle a pris une indigestion. Oh, mais il faudrait plus avoir de lunettes, plus d'odorat, plus de palais pour s'offrir une indigestion de ce rondin malsain de viande ambulante. Et il en reste pour demain. Il faudrait l'attacher dans le plat. Parce que cette nuit,
il va s'en aller. Et pourquoi es-tu né? Pour une autre carrière, parce que moi je suis sûr que j'ai un don. Oui, si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas dû te payer grand-chose. Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton gros appétit, de ta paresse et de ta grande gueule, je me demande un peu ce que Dieu a bien pu te donner. Un talent caché. Bien caché. Est-ce que vous savez quelque chose par cœur? Un poème? Une chanson? Oui, oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant. Ah, mais c'est qu'il est très intéressant. Et laisse-le donc parler. Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, c'est pas gay, ça. Non, c'est pas gay, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression? Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est prêt? Oui, oui, absolument. Eh bien alors, je commence. Voilà. La crainte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein? Oh, bravo. Oh, ça c'est inouï alors. Oui. La pitié. La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, émouvant, émouvant. Interrogatif et affirmatif. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. N'est-ce pas? Bien, ça c'est très bien. Et c'est vraiment pas pensif. Pensif. Tout condamné à mort? Tranché. Oh, ne quittez pas l'expression. Gardez l'expression. Elle peut bouger plus. Voilà. Comique. Tout condamné à mort. On va tout trancher. Tu n'as pas de quoi t'acheter un rond de saucisson. Pardon, j'ai retiré mes économies de la caisse d'épargne. J'ai mis le 300 francs et 25 centimes. Et où veux-tu aller avec ça? À Paris. Je n'ai besoin que d'un billet de chemin de fer. D'ailleurs, le voici. Tu aurais dû prendre l'aller-retour. Oh non, je reviendrai dans ma 8 cylindres. Mon contrat prévoit une avance de 10 000 francs et samedi prochain, 1 000 dollars. Ramollissement de la cervelle. Espoir légitime et naturel. Délire pitoyable d'un prétentieux. Bon sens et logique d'un français moyen. Fantasmagorie d'un jobard. Méfiance de boutiquier. Mais tu ne te rends pas compte qu'on s'est foutu de toi? De grand cœur m'ont tendu la main. Mais un contrat comme le tien, mais ça ferait rire un fossoyeur, oui. Or, je ne suis pas fossoyeur, et c'est peut-être pour ça que je ne ris pas. Si c'est possible d'entendre des choses pareilles. Va, sur mes premières économies, je t'achèterai Félix Potin. Bien de quoi pleurer. Oui, tu as beau être injuste, méchant et incrédule, je te l'achèterai, Félix Potin. Et si tu ne le veux pas, je le jetterai. L'usine de jambon Olida. Je t'en ferai cadeau pour ta fête. Le chocolat Meunier, ce sera ton petit Noël. Tu m'as reproché le pain que je mangeais. Je te gaverai de brioche. Pauvre couillon. Pauvre. Pauvre. Pauvre couillon. Thank you.
Pascal. Oh. C'est la troisième mine. Elle a cagué. C'est de ma faute. Je pense que j'avais fait un trou dans la pierre et derrière, je croyais qu'il y avait encore de la pierre. Alors la poudre s'appuyant dessus, ça aurait fait sauter le monde. Seulement, il y avait du mou. Alors la mine, elle a cagué. Tu crois qu'il y aura beaucoup d'eau? Je sais pas, c'est une source. Oh, dans encore d'un mètre, j'aurai les pieds mouillés. Tu sais, l'eau arrive grosse comme mon doigt. Enfin, c'est la montre qui me l'a dit, et la montre, ça se forme plus jamais. Ça. Moi, il me semble que nous allons passer à côté. Il te semble quoi, toi? Eh bien, il me semble que l'eau coule plus fort que ce que vous dites. Mais nous allons passer à côté parce qu'elle est à 2 mètres sur la gauche. Et qui te l'a dit? C'est la baguette. La baguette? Ah, tu m'as l'air baguette, toi, là. La baguette, c'est une femme. Même dans la main d'un vieux, elle bouge, elle se remue, elle se tortille, elle tremble, elle danse comme une pute. Moi, j'en ai honte de la baguette. La montre, ça, c'est quelque chose. Parce que les capitaines de la mer, ils pourraient rien faire sans la montre. Ils pourraient pas faire marcher les bateaux. La montre, c'est une personne. Quand tu veux savoir l'heure, c'est la montre qui te le dit. Parce qu'elle sait l'heure, ben elle sait où il y a l'eau aussi. La montre, c'est bon, et ça ne ment jamais. Oui, ça c'est vrai. Je vous le dis. Votre fille, elle est aussi brave que ce qu'elle est belle. Ah, tu peux le dire, hein. Et personne n'a pensé à lui souhaiter la fête. Moi, la date, je ne la savais pas. Mais vous la saviez. Oui, mais moi, j'ai oublié qu'aujourd'hui, il a 18 ans. Moi, j'ai oublié que le 21 avril, c'était un dimanche. Que le matin, à la pointe du jour, sa mère m'a réveillé et m'a dit, Pascal, je crois que je vais faire le petit. J'ai dit, va, ne t'émotionne pas. Et puis fais-le, plus vite que ça sera fait, plus vite que ça sera fini. Et je me suis levé et je lui ai laissé le lit pour elle toute seule. Et puis nous avons fait une petite prière à la Sainte Vierge. Et je suis allé réveiller les voisines. Et puis je suis allé me promener dans le jardin et j'entendais ma femme qui criait. Alors je suis allé voir un peu les lapins justement. Il y avait une grosse mère qui faisait ses petits pendant que ma femme faisait le mien. Et puis on m'a appelé. Parce que l'enfant venait de naître. Et tout à coup, le coq il s'est mis à chanter. Et voilà pourquoi j'ai oublié qu'elle a 18 ans, que j'ai oublié qu'aujourd'hui c'est sa fête. C'était une finesse. Eh oui, c'était une finesse, tu penses, que je le savais, que je ne l'ai pas oublié le jour où elle est née. Hein. Seulement, il faut bien faire une surprise. Hein. Et alors, vous lui avez acheté un cadeau. Oh, un très beau cadeau. J'ai donné 40 francs, c'est sûr, un mandat, pour qu'il achète un chapeau. Un chapeau à Paris, chapeau. Mais pas de ces chapeaux qui sont dans le carton plein de poussière, et qui sont commodés depuis 10 ans. Non, un beau chapeau de la vitrine avec une belle fleur. Il paraît qu'il y a un oiseau. Enfin, c'est un mandat qui m'en a dit, parce que moi, tu sais, les chapeaux, je suis pas fort. Hein. Surtout pour les chapeaux des femmes. Alors, on va lui donner après le dîner, c'est la surprise. C'est pour ça que j'ai joué la comédie. C'est qu'un chapeau, c'est un joli cadeau pour une jeune fille. Surtout que demain, c'est dimanche. Et quand l'enfant est né, on m'a appelé. Je suis arrivé en courant et on m'a fait voir le bébé. Il était rouge comme une écrevisse qu'on va manger. J'étais content et puis malheur. J'ai vu qu'il n'avait pas de quiquette. Alors, j'étais pas content, tu sais. Pourtant, une fille, c'est joli aussi. Eh oui, c'est joli seulement, c'est pas son nom, tant qu'elle n'est pas mariée. Et puis alors la mère m'a fait d'autres filles, et puis encore des filles. Et puis un jour, elle m'a dit à la dame qui vient de Paris pour se reposer là, qui voudrait amener Patricia. Parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle a des sous. Alors moi j'ai pensé, mon Dieu, j'ai tant de filles que si on m'en prend une, je ne m'en apercevrai pas. Puis je me disais, la petite, eh ben, elle a de la chance puisqu'elle aura du chaud et du manger. Alors Patricia, elle est partie, elle avait 6 ans. Et puis la mère m'a fait encore d'autres filles. Et puis elle est allée retrouver le bon Dieu. Elle m'a laissé seule coucher au port avec 5 filles dans la plus grande étang Mandal avec 14 ans. Oh malheureux, ça alors c'est un désastre. Un jour Mandal m'a dit que le facteur lui avait porté lettre de Paris, de Patricia, la dame de Paris était morte. Alors Patricia est arrivée, elle avait 15 ans. Quand elle est venue, je ne l'ai pas reconnue. Elle parlait que je ne comprenais pas. Et puis elle m'a embrassé. Elle a lavé la marmaille. Enfin, elle a remplacé sa mère. Voilà. Oh, pour ça, tout le monde en dit du bien dans le quartier. Ah, c'est un trésor que le bon Dieu m'a donné, là. Et bien, maintenant, je l'aime autant qu'un garçon. C'est bête ce que je te dis, là, hein, Philippe. Mais je l'aime autant qu'un garçon. Elle vous manquera pourtant quelques jours si elle se marie. Ah, je sais bien qu'un jour, il faudra que ça arrive. J'aime mieux pas y penser. Ou alors, il faudrait qu'elle se marie avec un homme de notre métier, vous savez, un homme qui habite pas loin de votre maison. Et comme ça, et ben, vous ne la perdriez pas.
Qui a voulu qu'il soit aviateur? Il est aviateur. Oh, comment oses-tu dire que je l'ai voulu? Non, je sais que ce qui te plaisait dans cette noble carrière, c'était surtout le costume. Mais une fois qu'il a eu le costume, 2400 francs sur mesure. On lui a donné aussi un avion. Ça fait partie de la panoplie. Et un avion, ça vole. Mais moi, je l'ai toujours reconnu. Je lui ai toujours dit, je ne veux pas que tu fasses l'aviateur. Mécanicien de locomotive, d'accord. Ça, au moins, c'est posé par terre. Et puis, enfin, il y a des rails. On sait que tu ne peux pas te perdre. Mais voler en l'air. Laisse donc ça au papillon, au hanneton, au goéland de la Bretagne. Ah, seulement, monsieur est bien ton fils. Il a toute la figure du côté de ma famille. Pour le physique, c'est un mazel du haut en bas. Mais pour ce qui est de la folie, c'est un pur cassignol. Il y a eu beaucoup de fous chez les cassignols. Beaucoup, mais il n'y a eu que ça. Ton grand-père, le père de madame, tirait de temps en temps, après le dîner, des coups de revolver dans la pendule parce que sa femme le trompait. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si je te trompais? Ah ben, je ne sais pas ce que je ferais. Mais en tout cas, je ne me vengerai pas sur l'horlogerie. Si tous les cocus tuaient les pendules, on ne pourrait plus savoir l'heure. Et les deux frères de madame, tes oncles. L'aîné est parti en Amérique dans un cirque. À 50 mètres en l'air. Sur un fil de fer, il poussait une brouette. Ça, c'était presque de l'aviation. Oui, c'était une folie du même genre. Et l'autre, le cadet, il était champion de nage sous l'eau. Il y restait 3 ou 4 minutes. Il se prenait pour un sous-marin. Et il avait raison. Parce qu'un jour, il a battu le record du monde. Il a plongé dans la calanque d'Anvaux. Il y a 30 ans de cela. Et il n'est pas encore ressorti aujourd'hui. Eh bien, dans une famille comme celle-là, il ne manquait plus qu'un aviateur acrobate. Ne nous plaignons pas, nous là. Et tu parles toujours de te marier. Il faudrait savoir si tu as des économies. J'ai les économies et j'ai même autre chose. Hein? J'ai fait l'héritage. Tu as fait l'héritage, il est gros? 18 000 francs. Ah. Ma tante de Rognac, elle est morte il y a 6 mois, et avant-hier, le notaire m'a fait appeler, il m'a donné 18 000 francs. Et comme j'en avais déjà 13 000... Ça fait 31 000. Ah non, ça fait 30. Parce que j'ai acheté l'automobile. Tu as acheté une automobile? Oh, Sainte Vierge, il a une automobile. Et combien tu l'as payé? 800 francs et 200 francs de réparation, ça fait 1000. 1000 francs? Oui. Ça doit pas être bien gros. Ah, oh, sûrement, c'est pas un quart, mais enfin, elle a de la place et puis elle marche. Ah, elle fait un peu de bruit, mais elle marche bien. Et puis comme la maison est à moi et à ma sœur, et qu'elle est à côté de chez vous... Écoute, Philippe, moi, je t'aime beaucoup. Oui, et surtout, je veux pas perdre ma fille. Alors, si je peux t'aider, je le ferai. Mais tout de même, il faut savoir si ça lui plaît à elle. Eh oui, ça, il faudrait le savoir. Oui. Vous pourriez pas lui en parler? Ah non, moi, je peux pas parler de ça à ma fille. Moi, j'ai honte. Non. Moi aussi, j'ai honte. Ok, tu as honte. Tu as des kilos de chédite dans ton carnet de coiffeur sur toute la ville et tu as honte de parler à la fille? Oui, enfin, j'essayerai. Ouais. La mienne de Robel est prête, hein? J'aimerais bien, moi, voir les aviateurs. Toi? C'est pas folle, les filles de César ne montent pas dans l'automobile, hein? Si tu montes dans l'automobile, je te casse un bras, moi. C'est pas vrai. Oui? Mais essaye un petit bras. Et ta sœur? Elle est partie chez l'oncle Rodrigue, à Rognac. Quand j'ai dit qu'elle m'attendait, c'est pas vrai, hein? C'est un mensonge de politesse. Ça, c'est comme les docteurs. Quand il dit un bon vieux qui va mourir, qu'il a déjà les bouches sur l'œil, ils y disent comme ça. Grand-père, vous en avez encore au moins pour 20 ans. C'est de la politesse. Ah, c'est pas une voiture de course, mais elle marche seule, hein? Oh! Hein? Elle marche à la montée? Eh oui, à la montée. Mais naturellement, les montées, elle préfère les prendre d'en haut. Ouais, ça lui vient mieux. Elle aime mieux la descente. Oh! Hein? Il faut pas arrêter ce bruit, là, oh! Ah non! Ça, c'est le moteur. Ce sont les explosions. Ah. Vous avez vu le moteur? Ah non! Attendez, il faut que je l'arrête, hein? Oui. Ah, te voilà, toi. Oui, me voilà. Bonjour, ma soeur. Et alors? Et alors, me voilà, je viens te parler. À toi et à celle-là qui ne demande pas me connaître. Là. Père, je ne sais pas que te dire. Ah, tu sais pas quoi dire? Ah oui, eh bien moi, je sais quoi dire. Mais on ne le dirait pas. Oui, parce que moi, quand je parle, c'est pour dire quelque chose, c'est pas pour faire du bruit. Alors, il paraît que ton enfant est né. Oui, père, il est né. Ah, ça devait arriver. Ces choses-là, quand c'est commencé, ça se termine toujours à peu près pareil. Tu n'as rien inventé. Si tu n'as rien à dire, tu ferais bien de ne pas parler. Parce que c'est un garçon. Et on m'a dit qu'il s'appelle Amoretti. Comme moi? Non, comme moi. Amorette, c'est moi. Ce nom, c'est moi qui lui ai lancé par-dessus toi. Parce que ce nom, c'est moi qui l'ai. Et notre père, comment il s'appelait? Et le père de notre père, il s'appelait peut-être Scartepig? Toi, ton nom, n'en parle pas. Tu
tu as guère fait du bien. Ce garçon porte mon nom, et il le porte comme le premier-né après moi. Une fille, ça s'appelle Amanda ou Noémie ou Isabelle. Un cadet ou un troisième garçon, ça s'appelle Henri ou Pierre ou Paul. Mais un premier-né de Provence, on ne lui dit jamais son petit nom. On l'appelle par son nom de famille. Et cet enfant, que je ne connais pas, il s'appelle Amoretti. Et que ça me plaise ou non, je suis responsable pour lui. Responsable en quoi? En tout. Oui. Par exemple, si vous voulez les prunes de monsieur le curé, ou s'il écrasait quelqu'un en conduisant son automobile, ou peut-être qu'il se mettait à frapper les gendarmes. Toi, si tu t'arrêtes pas, je prends le bateau, je te frappe comme un drap de lier. C'est qui le ferait, ce bestiari, là? Nous parlons de choses sérieuses, alors tais-toi. Non, je me tirerai si je veux. Cet enfant, il est dans mon lit. C'est moi qui lave ses larges. Je parlerai tant que je voudrais. Toi, tu parles depuis 5 minutes pour nous dire des choses que nous savons déjà. Et alors? Comment alors? Oui, alors quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu dis? Et ça veut dire ce que je dis. Père, que veux-tu que je fasse? Je t'obéirai. Oui, dis-nous un peu pourquoi tu es venu. Je suis venu pour vous dire que c'est grave. D'accord, c'est grave. Puisque tu es venu ici pour que nous disions ça, nous le savons. Maintenant, laisse-nous travailler. Ne nous fais plus perdre notre temps. Donne bien le bonjour à toute la famille. Parce que nous, on a des choses plus graves que ça. Cet enfant, il faut le nourrir et l'habiller. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, à toutes les deux? Qu'est-ce que vous faites à le regarder? Vous n'avez pas encore assez vu, non? Vous n'êtes pas encore assez amusé? Vous n'êtes pas encore assez fait tirer l'oreille, toutes les deux? Allez, allez, faire les paquets, ça va tout de suite. Allez, va, va. Amoretti, Florisette. Amoretti le jeune, c'est vite ton plus beau sourire. C'est pour Amoretti le vieux. Eh bien quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Voyons, capitaine, nous vous attendons. Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous connaissons. Nous allons en 34. Oui. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Si ne te gêne plus, mon tolito, je pendant que tu y es. J'ai rien dit, j'ai pas donné de renseignements. Oui. En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de Paris. Oui. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment, je me demande toujours si Panis se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Mais réfléchis en silence. Tu as raison, t'as pas besoin de parler. Tu... Ah non, non, non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Panis, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Panis se coupe à cœur. Vieux, il continue à faire des grimaces. Tenez, tenez, monsieur Brun, surveillez Scartefigue, moi je surveille César. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors. Oh, très bien. T'es cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu l'as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur, parbleu. Tiens, tiens, et voilà tes cartes. Hypocrite, tricheur. Je ne joue pas avec un grec. Faut pas t'inquiéter que tu, ça. Faut pas m'y prendre par un autre. Si on maître pas lisse, si c'est pas pour me vivre par ma ganta. Tu me fends le cœur. Je ne peux pas ressortir de là, alors. Tu me fends le cœur.
Il n'a pas l'air content. Ah non. Cette fois, je crois qu'il est fâché pour de bon. Ben, attends, monsieur Brun, voilà. Il a eu tort de se fâcher, mais vous avez eu tort de tricher. Écoutez, monsieur Brun, si on ne peut pas tricher entre amis, c'est pas la peine de jouer aux cartes. Oui, ouais, surtout que c'était bien trouvé, ce que tu as dit. Bon, mais là, sur le caractère, il a un caractère impossible. Là. Hein? Allez-y, on boit la dernière. Et on fait le tour de la manie aux enchères pour savoir qui paye les consommations. Mouais, paresseur, tu es tout le portrait de ton oncle Émile. Celui-là, il passait jamais au soleil parce que ça le fatiguait de traîner son ombre. Tu es un rêvasseur. Et tu connais pas ton métier. Je le connais. Non, tu ne le connais pas, ton métier. Tu ne le connais pas, ton métier. Là, tu ne sais pas encore baser un vermouth cassis ou un mandarin citron. Quant au piquant citron curaçao de la maison, ça, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Hier, le père Cougourde est venu et il s'est plaint à moi. Oh, pourtant pas difficile, voyons. Tiens, regarde. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait quatre tiers, hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que trois tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Pourquoi ça dépend pas? Eh bien, c'est de l'arithmétique, ça. Oui, mais ne cherche pas l'arithmétique, ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas? Marie, je ne te connais pas encore assez bien les femmes. Mais moi, mon petit, je vais te les expliquer. Les femmes, c'est fier. Et c'est délicat. Et tu sais, on a beau ne rien leur dire, ça comprend tout, hein, ça devine tout. Ça voit tout. Cette petite comprend très bien que tu n'es pas pressé. Non. Par fierté, elle te dit, oh, nous avons bien le temps. Mais moi, je suis sûr qu'elle est languie. Et si tu lui disais que la messe est commandée pour demain matin, elle sera à l'église avant le coup d'eau. Tu as peut-être raison. Oh. Pas peut-être, j'ai raison. Hein. Mais... Je te dis que j'ai raison. Quand tu verras Fanny, parle-lui, hein. Mais parle-lui sérieusement. Et toi, tu ferais bien de penser à l'histoire de Zoé, qui était pas plus malhonnête qu'une autre. Bon, je vois pas quel rapport cette histoire, que d'ailleurs je connais pas, moi, peut avoir. Tu la connais pas? Elle est pas drôle, tu sais. Zoé, c'était une petite fille très jolie, très coquette, mais qui ne pensait pas à mal. Non. Elle travaillait à la fabrique d'allumettes. Tiens, je la vois encore quand elle passait le matin devant le bar, toute bravette, sous son grand chapeau de paille, là. Elle avait une espèce de charme. Tous les hommes la regardaient. Elle souriait à tous, mais elle restait sage comme une image. Et puis un jour, ça lui a pris pour un matelot espagnol, mais elle a cru qu'il se marierait. Elle a cru qu'il repartirait plus. Alors ils se sont donnés un peu d'avance. Et un beau soir, il est parti. Il l'a abandonné? Oui. Il l'a abandonné. Alors Zoé. Voilà. Mais terrible alors. Pauvre petite. Pauvre malheureux. Qu'est-ce que tu veux, mon petit, quand ton homme les a trompés? Ça les dégoûte de notre nature. Et elles ne peuvent plus aimer personne. Et ça devient des filles des rues. Et puis quand elles ont commencé, elles n'ont plus rien à perdre. Marius, l'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Pourquoi tu nous racontes ça, Ville? C'est pour te dire que Fanny, il ne faut pas te l'amuser. Tu me comprends? Mais je te comprends. Bien entendu, je ne soupçonne pas sa vertu à cette petite. Je ne sais rien. Je n'ai rien vu. Mais s'il y a eu entre vous des conversations, des caresses, il faut vous marier. Et le plus vite possible. Tu entends? Mais alors, je vais lui en parler. Oui. Parle-lui-en. Et insiste le plus que tu pourras. Tu m'as compris, Marius? Parce que si tu veux mon idée, le matelot de Zoé,
C'était pas un homme. Alors, Fanny, ben, qu'est-ce que tu veux en faisant, nous, Fanny? Attendant. Donne-moi la caisse. Et... c'est la cette Fanny, ça. Mais la cette la Fanny. Je ne crois pas. Et c'est la cette. Et c'est la cette. Alors, ma foi, tant pis. On commence pas encore à dire des bêtises, hein? Pas tant pis. Il faudra avoir parlé demain matin. Demain matin? Et oui, demain matin. Moi, je sens que je vais y réfléchir toute la nuit. Tu bailles beaucoup pour un homme qui va réfléchir. Allez, bonsoir. Bonsoir. Je t'aime bien, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime bien. Mais moi aussi. Pourquoi m'a dit tout ça? Je sais pas. Je vois que tu t'occupes de moi, hein. Que tu te fais du souci à cause de moi, alors... ça me fait penser que je t'aime bien. Hein? Bien sûr. Bonsoir. Hein? Bonsoir. Mon fils. Je dis que tu m'empoisonnes l'existence. C'est pas vrai. Marius est embarqué? Oui, monsieur. Marius? Le fils de César? Oui, madame. Et la petite le sait. Et César, lui, est-ce qu'il le sait? César? Il ne s'en doute même pas. Oh, coquin de sort! Eh bien, ça va faire une belle musique. Le premier qui va rencontrer sera bon comme un melon. Tu parles. Pour lui, c'est une véritable catastrophe. Au sens ça. Oh, je t'en prie, Honoré, ne fais pas la gueule, alors, mon Dieu, quoi. Oh, je sais très bien ce que tu penses. Tu ne peux pas oublier que dans un jour de folie, tu as demandé toi aussi la main de Fanny. Oui. Alors ce mariage, te prépare, il te chagrine. Mais non, mais non, César, ce n'est pas ça du mais tout. Mais si, c'est ça, c'est... mais si, je le vois bien, tu souffres, tu es malheureux. Allons, voyons, ma vieille. Allez, dans la vie, il faut être fils à l'offre. Oui. Oui. Monsieur. Madame. Après ce qui vient de se passer ce matin, et malgré l'absence de monsieur votre fils, j'exige que vous me demandiez immédiatement la main de la petite. Bon. Madame, quoique ça ne me fasse pas plaisir, étant donné la différence de fortune et de situation... Comment? Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Je vous demande pour mon fils Marius, la main de votre fille Fanny. Eh bien, monsieur, quoique ça ne me fasse pas plaisir non plus, d'ailleurs pour les mêmes raisons, mais tout à fait en sens contraire, je vous accorde la main de la petite, mais je le regrette de tout mon cœur. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi vous l'avez fait évanouir dans votre bar. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ben, je n'ai rien fait, alors, Norine. Figurez-vous d'être ça à la place de la petite, hein? Fille d'une veuve. Je vous le reproche pas, puisqu'en somme, ce n'est pas vous qui avez tué votre mari, mais enfin, fille d'une veuve, c'est-à-dire sans homme dans la famille, n'est-ce pas? En plus, pauvre. Quel pauvre? Laissez-moi parler, fille d'une veuve est presque misérable. Tout d'un coup, on lui apprend qu'elle va épouser un garçon superbe, mon fils, qui sera propriétaire d'un bar magnifique, le mien. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, hein? Eh bien, de joie, elle s'évanouit, mais c'est naturel, ça. Eh oui, c'est naturel. Et puis, nous devons être tellement honorés d'entrer dans votre famille. Et puis, nous étions tellement pauvres que nous vous avons attendu pour manger, pas vrai? Je ne veux pas dire, évidemment. Vous ne voulez pas le dire, mais vous le dites tout de même. Eh bien, il y a bien de quoi s'évanouir de joie pour la plus jolie fille du port de Marseille parce qu'elle épouse le fils du maître-roquet. Ah!
plaisanterie. Pardon, c'est pas une plaisanterie. C'est une partie de boule. Aïe, aïe, aïe. C'est mon pauvre panier. Il est pas moi. Alors, je tire. C'est que je suis pressé, moi. Silence. Vous voyez pas que vous risquez de troubler le tireur. Ok, cocu, mon ami. Je vous félicite et je vous respecte. Oui, oui, c'est ça. Respecte le tricheur, hein. Il a enlevé ma boule parce qu'il a fait 4 pas en tirant. Moi, j'ai fait 4 pas. Oui, monsieur, tu as fait 4 pas, oui, monsieur. Et même 5. Bon, alors, voyons, César, mais moi, je te jure. Mais moi, je te jure que je fous le camp. Eh bien, les jolis, votre jeu de la cabanon, ça commence par une volerie et ça va finir par un empoisonnement dans une guérite. César. Quoi, César? Je l'ai vu, la bouillabaisse que prépare ta femme. Je n'en aurais pas à manger à mon chien. Et encore, j'ai pas de chien. Oh. Oh, oh, oh. Le Baudroit, c'est du fiel là, c'est. Et les rascasses là, elles ont pas nagé depuis le dernier jeu olympique. Oui, oui, monsieur. Et puis je l'ai vu, remplir un marmite avec l'eau potable de ton bassin. Il y a des tétards gros comme les coups de girofle. Mais qu'est-ce qu'il y a quelque chose à répondre? Hein? Où est le menteur qui va parler? Mais ne dites rien, monsieur Brun, ça ne sert à rien. Oui, va bien, oui, qui dit rien, donne-moi l'ombrelle. Allez, va, monsieur. Donne-moi mon ombrelle, toi. Le coquine de soi. Rompe l'ombrelle, hein, qu'est-ce que tu. Depuis un mois que son fils est parti. On ne sait plus par quel bout le prendre. Pour moi, il deviendra fadin. Tu verras ce que je te dis, hein. Oh, je le crois. Il va de plus pire en plus pire. Moi, j'en ai connu un comme ça. Que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là-dedans. Et à la fin, quand il remuait la tête pour dire non, eh bien, on entendait flic-flac, flic-flac. Ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Ah oui, ça c'est curieux, hein. Tu ne me crois pas? Oh, que si, je te crois. Parce que moi, j'en ai connu un encore plus bizarre. Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien le mien, son cerveau se desséchait. Oh, parisant. Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un pois chiche. Et alors, pochir, quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau lui sautait dans sa grande tête, là. Ça sonnait comme un gros lot de bicyclette. Drôlein, drôlein, drôlein. Surtout quand il marchait sur des pavés. Hein. Oh, tais-toi, va, Fada. Tu vois bien que c'est incroyable, ton histoire. Ah, elle est certainement aussi vraie que la tienne. Honoré. Si tu es un homme, dis-moi tout de suite et devant tout le monde que tu me prends pour un menteur. Mais naturellement que je te prends pour un menteur. Ouais, capitaine. Eh bien, Honoré, j'ai le regret de te dire que tu as absolument raison. À la tienne. Tiens, à la tienne. Sûrement le chauffeur a raison. Son fils n'a pas encore écrit. Et ce qui lui fait le plus de mal, c'est qu'il ne veut en parler à personne. Voilà le pire. Mais naturellement, il se garde tout son chagrin sur l'estomac. Alors ça fermente, ça se gonfle et ça l'étouffe. Enfin, voyez-vous, le chagrin, c'est comme le ver solitaire. Le tout, c'est de le faire sortir. Tu as raison, Félix. César! Oh! T'es à quelqu'un? Moi? Et pourquoi j'attendrais quelqu'un? Ah, mais je ne sais pas, moi. Monsieur Panis, pourquoi m'espionnes-tu? Par qui es-tu payé? À quoi ça te sert? Mais, monsieur César, je ne t'espionne pas! Oui? Alors pourquoi viens-tu avec des yeux luisants de policier me demander si j'attends quelqu'un? Mais, César, dans le fond, que tu attends de quelqu'un ou que tu n'attends de personne, j'ai l'honneur de vous informer que je m'en fous complètement. Je ne te demande rien d'autre. Oui, bien que c'est servi. Et la torpille? Attends. Dis donc, César! Quoi? Moi, j'ai comme l'impression que tu attends le facteur. Moi, j'attends le facteur, et pourquoi j'attends le facteur? Je ne sais pas, moi. Peut-être pour voir s'il ne t'apporte pas une lettre de ton fils. Pas vrai, Panis? Attends-la, Félix! Je te défends à t'occuper de mes affaires de famille. Moi, par exemple, je te demande pas si c'est vrai que ta femme te trompe avec le président des pesants jurés, n'est-ce pas? Je te le demande pas, ça. Tu me le demandes pas, mais tu me l'apprends. Oh, coquin de sort! La torpille t'a pété dans la main, là. Ah, c'est pas vrai, hein, Félix, c'est pas vrai. Hein. Ouais, bah, que ce soit vrai ou non, moi, je veux rien savoir. Et toi, Félix, imite ma discrétion. N'est-ce pas? Ne me parle pas de Marius. Et quant à toi, bon masque, parle-en de la graine. Ah, mais moi, je ne t'ai rien demandé. Ni moi non plus. Non, mais c'est ça, vous ne me demandez rien. Mais vous avez une façon de dire, je ne te demande rien, qui veut dire, je voudrais exactement savoir, et vous me forcez à vous faire des confidences. Oh, pas du tout, César. Non, mais je t'assure que pour moi, je ne veux rien savoir du tout. Oui, c'est-à-dire qu'après une amitié de 30 ans, tu te fous complètement de tout ce qui peut m'arriver. Mais non, c'est ça. Mais oui, on aurait. Mais oui, on aurait.
Ce sont tes propres mots que t'as dit tout à l'heure. Je m'en fous complètement. Non, mais j'ai dit ça pour te faire plaisir. Si tu ne veux rien nous dire, ne dis rien. Et si tu veux nous dire quelque chose, eh bien parle. Eh voilà, eh bien parle, mais je savais bien que vous finirez par me questionner. Mais j'en étais sûr. Eh bien, puisque vous me forcez à parler, moi je vais te répondre. Mais non, César, non, on ne te force pas. Mais oui, on me force. Mais non, mais voyons. Ah, je vous en prie, monsieur Brun, foutez-moi la paix, hein. Puisqu'on me force à parler, au moins laissez-moi la parole. Mais c'est ça, parle, César, parle. Bon. Donc je vois dans vos yeux, dans les yeux de tout le monde, même dans ceux des passants, que vous avez pitié de moi. Oh, je sais très bien ce que vous dites, et que je ne suis pas là, vous devez dire. Il doit pleurer tout seul la nuit dans cette grande maison vide. Il ne s'occupe plus du bar. Il attend des nouvelles de son fils qui ne lui écrit jamais. Et ça brise le cœur de cet homme. Eh bien, puisque vous dites des choses pareilles, puisque vous attachez de l'importance à une histoire qui n'en a pas et à laquelle je ne pense jamais, il faut que je m'explique une fois pour toutes. C'est ça, expliquez-vous, ça mettra tout au point. Bon. Tout à l'heure, Félix, tu m'as demandé si j'attendais le facteur. Eh bien non, je n'attends pas le facteur. Parce que quand ton garçon a eu le courage d'abandonner son vieux père et de ne pas lui écrire même une seule fois depuis 29 jours, il y a guère d'espoir qu'il lui écrive le 30e. Tenez, tenez, une supposition que ce garçon ait une idée tous les jours d'envoyer, d'écrire une petite lettre à son père, un petit mot, pour lui dire « Je me porte bien, je pense à toi, je me figure ton chagrin, etc., etc., n'est-ce pas ?» Et une supposition qu'il ait mis tous les soirs sa petite lettre de côté, et que la semaine dernière, en arrivant à Port Saïd, il les ait toutes mis d'un seul coup à la poste. Enfin, une supposition que le facteur entre à l'instant dans ce bar et me dise « Monsieur César, voilà pour vous !» et me remette un paquet de lettres de 3 kilos, de quoi lire toute la nuit en les relisant 3 fois chacune. Eh bien, je prendrai ce paquet, je le foutrai sous le comptoir, je ne l'oublierai pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais après ce qu'il m'a fait... Mais ensemble, que vous avez dit? Mais oui, ensemble. Ensemble. Oh, coquine des padillots, ensemble. Mais oui, voyons, César, ensemble, que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti. Eh bien, à 20 ans, ce garçon n'avait pas le droit de partir. Non, monsieur, il n'avait pas le droit de partir, sans me le dire. Ça, c'est vrai. Ce qu'il a fait là, ce n'est rien en folie. Oui, mais si tu l'avais dit, qu'est-ce que tu aurais fait? Je lui aurais expliqué qu'il n'avait pas le droit. Oui, oui, et même au besoin, tu lui aurais expliqué un grand coup de pied dans le cul. Naturellement. Ah, je te prie de croire, au bout d'un quart d'heure, je lui aurais fait passer le goût de la marine. Mais voilà. Vous voyez donc, il a bien fait de ne rien vous dire. Ah, mais c'est ça, il a bien fait, c'est ça, vous félicitez l'ingrat, vous approuvez le révolté de l'émission en bolchevique. Après tout, César, après tout, si cet homme veut la vider. C'est pas. Marius, c'est un homme. Marius, c'est un homme. Oh, c'est terrible. Et il a 23 ans, à cet âge-là, vous étiez déjà marié. Moi, oui. Vous étiez un homme. Moi, oui. Alors, ce qui était vrai pour vous n'est pas vrai pour lui. Non. Et pourquoi? Parce que, pour moi, j'ai toujours raisonné différemment. Ah. Parce que moi, je n'étais pas mon fils. Voilà. Eh bien, César, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois, que vous êtes un grand égoïste. Eh ben voilà un qui ne te l'envoie pas dire, hein. T'en reviens, chasse. Mais si cet homme veut naviguer, vous n'avez pas le droit d'en empêcher. Oh, mais s'il veut naviguer, qui navigue? Oh, bon Dieu, mais qui navigue? Qui navigue, oui, voudra. Mais pas sur l'eau. Merde, où veux-tu qu'il navigue? Mais je veux dire, qui navigue pas sur la mer. Qui navigue, fait comme toi, sur le vieux port, là. Ou sur les rivières, ou sur les étangs, ou... Eh, puis non, de Dieu, est-ce qu'on a besoin de naviguer pour vivre, hein? Est-ce que M. Panis navigue, lui? Non. Pas si bête. Lui, il fait des voiles. Il fait des voiles pour que le vent emporte les enfants des autres. César Olivier! César! César, c'est une lettre de Port Saïd. Elle est lourde. Mais c'est de Marius, César. C'est de lui, c'est écrit derrière. Et c'est la vie. Mais César, ouvre la lettre. Laisse ça là, je te prie. César, ouvre la lettre. Pour faire plaisir à la petite. Ça t'intéresse donc, toi, d'avoir des nouvelles de ce navigateur dénaturé? Moi, non! Ne t'inquiète pas, hein. César est en train d'apprendre la lettre par cœur dans sa cuisine. Et avant ce soir, il va la réciter à tout Marseille. Fanny! Fanny, ma belle, viens! Fanny! Oh, Fanny! Oui, appelle-moi là, hein. Fanny! Oh, Fanny. Oh,
Il va très bien, il se porte très bien. Tiens, tu vas me relire sa lettre. Allez, vas-y, ma belle. Mon cher papa. Oui. Pardonne-moi, mon cher papa, la peine que j'ai pu te faire. Je sais bien comme tu dois être triste depuis que je suis partie. Et je pense à toi tous les soirs. Oui, tu penses à moi tous les soirs, mais moi je pense à toi toute la journée, grand imbécile. Pour dire de t'expliquer toute la chose et de quelle façon j'avais cette envie, je ne saurais pas te l'écrire. Mais tu n'as qu'à demander à Fanny, elle a connu toute ma folie. Folie, ah, ça c'est le mot. Ça me fait plaisir de voir qu'ils se rencontrent, tu sais. Maintenant, laisse-moi te raconter ma vie. Quand je suis partie, on m'avait mis aide-cuisinier. Aide-cuisinier, ils ont dû bien manger dans ce bateau. Au bout d'un mois, il n'y aura plus que des squelettes, ce sera le bateau fantôme. Mais au bout de quelques jours, ils m'ont remplacé par un autre homme de l'équipage qui s'était blessé à la jambe en tombant dans la cale. Et moi, j'ai pris sa place sur le pont. Bon, tu vas voir, ça va devenir terrible, tu vas voir. Je t'ai pas écrit plus tôt parce qu'en arrivant à Port Saïd, nous avons eu des gros ennuis. Comme un matelot du bord était mort d'une sale maladie, les autorités se sont cru que peut-être c'était la peste et on nous a mis en quarantaine. La peste, tu entends? La peste, coquin de sort, la peste sur son bateau. Quand un de ses camarades à l'école communale attrapait les orions, je gardais M. Marius à la maison pendant un mois pour le préserver. Et maintenant, il va nager dans la peste, jusqu'au cou, tu entends? Il n'a pas eu, lui, puisqu'il nous écrit. Mais il n'a pas eu, mais il a bien failli l'avoir. Et puis enfin, il faut dire que la peste, c'est une maladie terrible. La peste, tu te rends compte? Le cou gonflé, la bouche ouverte, une langue épaisse comme une langue de bœuf, et le nombril, tout noir, tout gonflé, comme un enceinte. Oh, Marius, tu n'as pas fini de nous faire faire de mauvais choses, ça a bien continué, la peste. Mais les docteurs du port ont tout démantibulé le pauvre mort pour voir ce qu'il avait, et ils ont dit que ce n'était pas la peste. Tant mieux! Maintenant, nous voilà délivrés et nous allons repartir pour Aden. Ce voyage est merveilleux. Mais malheureusement, on ne s'est pas arrêté en route, ce qui est bien regrettable, surtout que nous sommes passés au large de plusieurs îles où se trouve la célèbre ville grecque d'Athènes, qui était autrefois la grande forteresse des Romains. Oh, on voit qu'il est avec des savants, hein? Enfin, tout va très bien et ma nouvelle vie me plaît beaucoup. Je suis maintenant au service des appareils océanographiques. Ah oui, celui-là, j'ai pas pu le lire. Nous allons nous en servir bientôt pour mesurer les fonds de l'océan Indien. Tu te rends compte, Fanny? Ce petit qui faisait sa main de ne pas savoir mesurer un piquant grenadier et qui maintenant va mesurer le fond de la mer. Qu'est-ce que je dis, la mer? De l'océan. Le fond de l'océan. Et Indien, hein? Oh. Tous ces messieurs les savants sont très gentils avec moi. Naturellement. Tu vas voir, un peu plus loin, il y a quelque chose pour toi. Tu vas voir. Enfin, tout ça va très bien, et j'espère que ma lettre te trouvera de même, ainsi que Fanny. Ainsi que Fanny, tu vois, hein, il pense à toi. Hein. Donne-moi un peu des nouvelles de sa santé. De sa santé, tu vois, hein. De son mariage avec ce brave homme de Fanny. Elle sera sûrement très heureuse avec lui. Dis-le-lui bien de ma part. De ma part, tu vois. Écris-moi mon nom. Bord de la Malaisie, à Aden. Nous y serons le 15 septembre. Je t'embrasse de tout mon cœur, ton fils, Marie. Évidemment, il aurait pu mettre quelque chose de plus affectueux pour moi. Et surtout pour toi, ma petite Fanny. Mais peut-être qu'au moment où il allait écrire une longue phrase, n'est-ce pas pour toi, quelque chose de bien sentimental, n'est-ce pas? Ben peut-être qu'on est venu l'appeler pour mesurer l'océanographico. Ah. Moi, il n'y a que comme ça que je me l'explique, hein. Oh, puis quoi, c'est la première lettre, et puis il y en a d'autres, là. Oh, frise au poulet! Dis, garde un peu l'inventaire, là, hein. Ouais. Et puis ferme le magasin, ferme le bar, là. Bien. Fermez pour cause de correspondance. Allez. Ouais. Allez, viens, ma chère, viens. Regarde. Voyez. Mon cher enfant. Enfin, je reçois ta première lettre. Elle n'est pas bien longue. J'espère que la deuxième durera au moins 10 pages et même 20. Ce que tu me dis au sujet de tes savants est très intéressant.
Mais, quand tu mesureras le fond de la mer, ne te penche pas trop, car tu pourrais tomber par-dessus bord. Et là où ça sera par trop profond, t'es, laisse un peu mesurer les autres. Les autres, pas sur moi, tu comprends, je le connais, M. Marius. Quand il était petit, un jour, je l'ai mené à la pêche dans la barque de Maître Fanis. Hein? Alors, il s'est penché au-dessus du bateau pour voir la ligne Zou, un homme à la mer. Bon, il est vrai qu'à ce moment-là, il avait la tête plus lourde que le derrière. Oh, depuis, ça a changé, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous disions? Qu'est-ce que j'ai... Oh, dis-moi la France. Laisse un peu mesurer les autres. Les autres, soulignez les autres. Les autres, bien épais, hein? Bien épais, Zou, là, voilà. Bon, et si quelqu'un à bord a la peste, ne lui parle que de très loin. Et surtout, ne le fréquente plus, même si c'est ton meilleur ami. Car l'amitié, c'est une chose admirable, mais la peste, c'est la fin du monde. Du monde. Ici, tout va bien. Sauf une colère qui m'a pris quand tu es parti, et qui ne m'est pas encore passé. Voyons. Hein? Passé. Hein? La petite Fanny ne va pas très bien. Elle ne mange, pour ainsi dire, plus rien. Elle est toute palote. Et dans le quartier, tout le monde le remarque. Et toute la journée, les gens répètent, la petite s'en ira de la caisse et César partira du ciboulot. Aussi, Honorine me jette des regards sanglants. Et chaque fois que je la regarde, j'ai toujours peur qu'elle me tire des coups de revolver, que ça me donne le frisson de la mort. La mort. Tout, Panisse, tout. Non, non, écoutez, Norine, Marius, c'est un sujet de conversation que je n'aime pas beaucoup. Parlez-moi de la pluie, du beau temps, de la vie chère et même des impôts, mais ne me parlez pas de Marius. Et moi, vous croyez que ça me plaît de parler de lui? Moi, c'est par honnêteté que je fais allusion au fait que j'ai trouvé ma fille couchée avec lui. Oh, Croquis n'est pas dit où il a fallu qu'elle le dise. Mais vous pouvez pas la tenir, votre langue. Et maintenant, vous allez me promettre une chose. Laquelle? Promettez-moi que vous ne me la tuerez pas si elle vous trompe. Ah, écoutez, je suis un brave homme, Norine, vous venez de le dire. Mais ça, c'est un droit auquel je ne peux pas renoncer. Non, je ne peux pas. Assassin! Mais voyons, mais vous me demandez une promesse impossible. Et la tradition, alors? Mais je ne suis pas un Anglais, moi. J'ai l'âme orientale. Et si j'étais turc, alors? Mais qui est turc? Mais à Constantinople, Norine, il n'y a pas de cocu, il n'y a que des veuves. Alors pourquoi que vous n'avez pas tué votre première femme? D'abord, parce qu'elle ne m'a jamais trompé. Et ensuite, parce qu'elle faisait ma comptabilité. Voici mon dernier mot. J'épouse Fanny. Je fais n'importe quoi pour elle. Mais si elle me trompe, il y aura du cadavre dans la maison. Vous dites où qu'est sauvage? Alors c'est non, c'est non, c'est non, c'est non! Non, non et non, oui! Mais attendez, attendez! Naturellement, je ne chercherai jamais à savoir si elle me trompe. Cette sorte de surveillance serait indigne de moi. Et si l'on vient me donner n'importe quelle preuve, et même si on me la montrait entre les bras d'un galant, j'ai tellement confiance en elle que je ne le croirai jamais. Bravo, bravo! Voilà l'exacte position de la question. Alors c'est différent? Eh bien, écoutez, j'irai vous porter ma réponse demain au soir chez vous. Bien. Puis-je avoir un petit espoir? Mais un gros, Panisse, un gros espoir. Alors, M. Brun, vous l'avez bien vu, ce bateau? Eh oui, je viens de l'examiner à fond. Ah, et alors? Eh bien, pour le prix, il me paraît très bien. Ah, mais je comprends, dites qu'il est bien. C'est un véritable lévrier des mers. Alors, je vous fais le jeu de voile complet comme convenu, hein? Naturellement. Tenez, tenez, voilà la maquette. Ah. Hein? et voilà la toile que je vous ai choisie. Tenez, touchez-moi ça, M. Brun. Ça a du corps, hein? C'est léger, c'est solide et ça ne mouille pas dans l'eau, hein? Et regardez-moi le grain. Oui, ça me paraît bien. Ah. Elle est un peu raide, vous ne trouvez pas? Non, écoutez, monsieur Brun, c'est une voile que vous voulez ou bien un pantalon pour madame? Si c'est pour un pantalon, ne prenez pas ça. Mais pour une voilure, je vous le conseille. Oh, Panisse! Oh, César! Oh, monsieur Brun! Comment ça va? Ça va bien? Ça va, monsieur Brun? Qu'est-ce que vous achetez des voiles? Ah oui, je fais choix d'une voilure pour mon bateau. Un bateau? Vous avez acheté un bateau? Eh oui, j'ai acheté le Pitalugue, sur les conseils de Maître Panisse. Oui. Le Pitalugue? Le grand canot blanc à Toulon, comme ça, là? Oui. Vous le connaissez? Ah, ben je comprends que je le connais, mais tout le monde le connaît ici. Allons, César! Comment tu l'as pas averti? Mais de quoi? Non, écoutez, monsieur Brun, j'ai peut-être oublié de vous dire qu'il est un peu jaloux.
César est jaloux. Non, le bateau est jaloux. Ça veut dire qu'il penche facilement sur le côté, vous comprenez? Et il penche fortement? Ah non, monsieur Brun. Non. C'est-à-dire que quand on monte dessus, ben il chavire. Oh, mais c'est pas un tour complet. Sitôt qu'il a la quille en l'air, vous êtes tranquille, vous risquez plus rien. Mais dites donc, ça lui arrive souvent? Mais non, monsieur Brun, mais non. C'est-à-dire qu'il est connu pour ça depuis ici jusqu'à la Madrague. On l'appelle le sous-marin. Plaisantez. Oui, naturellement qu'il plaisante. Alors vous prétendez que dès que je mettrai le pied dessus, ce bateau va chavirer? C'est probable, mais c'est pas sûr, parce qu'il a chaviré depuis tellement longtemps que peut-être maintenant il est dégoûté, il chavirera plus, et voilà. Quelle blague, voyons. Pourquoi ce bateau chavirerait-il systématiquement? Monsieur Brun, ce bateau, il a une hélice trop grosse pour lui. Elle prend trop d'eau. Alors si vous poussez la vitesse, au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau, il se devire. Mon cher César, tes plaisanteries sont ridicules. Ce bateau-là, M. Brun, ne l'a pas fait faire sur commande. Il ne l'a pas payé au prix d'un canon inchavirable. Il a payé 1500 francs. C'est une occasion, hein? Vous ne trouvez pas qu'à ce prix-là, même avec les défauts, ce soit une belle occasion? Oui, c'est une belle occasion de se noyer. Enfin, voyons, Félix, vous connaissez pas bien ce bateau et c'est vous qui me l'avez fait acheter. Oui. Franchement, est-ce que ce bateau chavire? Mais mon cher M. Brun, mais tout chavire dans la nature. Et naturellement, surtout les bateaux. Oui, ouais, surtout celui-là, alors. Vous garantir que le Pitalugue ne chavirera jamais, je ne le peux pas. Oh, que non. Mais ce sont des risques de la navigation. Si vous voulez aller sur la mer sans aucun risque de chavirer, alors n'achetez pas un bateau, achetez une île. Voilà, M. Brun, tenez, achetez le château d'If. Et Panis ouvrira les voiles. Alors, on vous a bien embarqué, vous savez. Mon cher César, on ne m'a pas embarqué du tout. Depuis un quart d'heure, vous essayez de me mettre en boîte, eh bien, permettez-moi de vous dire que ça ne prend pas. Bravo! D'ailleurs, pour couper court à toutes ces galéjades, je m'en vais l'essayer immédiatement, je m'en vais le sortir du port. Dis donc, Phénomène, veux-tu venir avec moi essayer le Pitalugue? Je veux bien, Monsieur Brun. Mais d'après ce que vient de dire Monsieur César, ça sera 5 francs. Et soit, ce sera 5 francs. Et vous, Panis, vous nous accompagnez? Ah, écoutez, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Hein. Pas si bête. Okay. Ce serait avec le plus grand plaisir, mais nous travaillons, nous autres. Ouh, 105. Monsieur Brun! Monsieur Brun! Attendez, Monsieur Brun! Tenez, emportez tout de même une bouée, allez! Oh, je sais bien que vous en servirez pas, mais ça ne peut pas vous faire de mal, hein? Je suis d'ailleurs bien tranquille, car je sais ce que c'est qu'un bateau. Je suis un connaisseur de bateaux. Ah, vous en avez tout l'air? Oui, eh bien, j'ai vu ce bateau-là, je l'ai examiné et je l'ai jugé. C'est un excellent bateau. D'après sa ligne, sa coupe et son gabarit, ce bateau-là ne peut pas chavirer. Bravo! Oui, il ne chavirera pas. Et pourtant, je vais faire tout mon possible pour le faire chavirer. Oh, écoutez, Monsieur Brun, ne forcez pas votre possible, allez, ça se fera tout seul. Vous savez nager, Monsieur Brun? Non. Hein? Non. Alors, adieu, Monsieur Brun. Comment, adieu? Ben, nous nous reverrons au ciel. À nous deux! À nous deux! Ouais. Maître Panis! Tiens, vous êtes là, Monsieur César, j'ai une lettre pour vous, et ça vient de Macassar. Merci. C'est de Marius? Oui. Alors ce que j'ai à te dire, je te le dirai tout à l'heure. Je vais lire la lettre de mon fils. Mais tu peux pas la lire ici, cette lettre? Non. Une lettre du petit, ça doit se lire à la maison. Vous avez raison, maître Panis, ne me prenez pas. Je suis une fille perdue. Perdue. Je n'ai même plus le droit de me tuer. T'es une pitchoune, Fanny? Dis-moi, Fanny, es une pitchoune? T'en es sûr? C'est le docteur qui te l'a dit? Ah, c'est dans ça que tu étais toujours malade. Ah, ne me méprisez pas trop, maître Panis. Mm. Vous m'avez demandé ce matin à ma mère. J'avais qu'à vous répondre oui. Mais j'ai voulu vous avertir. Oh, je serais si heureuse maintenant de devenir votre femme. Tu accepterais quand même de m'épouser? Oh, j'aurais tant de reconnaissance pour vous que je finirais peut-être par vous aimer. Mais ce petit, là, ce petit, tu me le donnerais? Il serait mien? Il aurait mon nom? Oh, c'est la seule chose que je vous demande. Oh, bonne mère! Oh, dites, maître Panis, c'est vrai. Vous me voulez quand même. Écoute, Fanny, est-ce que tu as remarqué mon enseigne? Il y a Honoré Panis et en dessous Maître Voilier. Est-ce que tu as remarqué que les lettres sont un peu trop serrées sur la gauche et qu'elles restent au bout, comme un espace vide? Eh bien, tiens, viens voir, tiens, tiens. Regarde, regarde. Ça, c'est feu. Ça, c'est le. Ça, c'est i. Ça, c'est ce. Et ça, c'est et. Et, fils.
Il y a 30 ans qu'elles sont dans ce tiroir. Et je n'ai jamais pu les sortir. Attends, Denis, un peu de précision. Est-ce que tu as dit ton secret à quelqu'un? Le docteur le sait. Oui, mais lui ne pourra rien dire puisqu'il est docteur. Et ensuite? Ma mère et ma tante vous le disent. Mais cela ne pourra rien dire à personne à cause de l'honneur de la famille. Et il n'y a personne d'autre qui le sache. Personne. Bon, et maintenant, quand est-ce qu'il va naître, mon petit? Février ou mars. Eh bien, ça tombe très bien. Ce sera donc un enfant de 7 mois. Et alors, à quand l'annonce? Oh, mais vite, maître Paniche, c'est bien vrai. Vous avez bien réfléchi avant de dire oui. Vous voulez sauver ce petit bâtard. Fanny, puisque nous sommes d'accord, je vais te dire tout et tu comprendras que je ne fais pas un sacrifice. Tiens, viens t'asseoir, tiens. Assieds-toi, ma belle. Assieds-toi. Lorsque j'ai épousé ma pauvre Félicité, elle avait ton âge et moi j'en avais guère plus. Nous avions acheté ce magasin en monnaie de papier, tu comprends, en signant des prêts à l'avance. Oh, pas cher, bien sûr. À ce moment-là, le magasin ne valait pas grand-chose. Nous, nous avons d'abord eu une ouvrière, puis 2, puis 5, puis 10, et comme ça jusqu'à 30. Alors, au bout de 7 ans, un beau soir, je dis à ma femme, « Oh, Félicité, si nous faisions un petit... » Alors, elle devient toute rouge, peu chère. Et elle se cache un peu la figure, et elle me fait, « Honoré, il y a longtemps que j'y pense, mais je n'osais pas t'en parler. » Mais alors, oh ma pauvre Fanny, impossible de faire un enfant. Je ne te dirai pas tous les docteurs qu'on a vus, toutes les sources minérales, tous les cierges, tous les pèlerinages, toutes les gymnastiques suédoises. Et je gaze naturellement, je gaze. Mais voilà la vérité. Pendant longtemps, nous avions eu peur d'avoir un petit. Et puis quand nous l'avons voulu, nous ne l'avons pas eu. Nous avions dégoûté le bon Dieu. Alors une véritable folie m'a pris, là. La folie des enfants. Depuis ce moment-là, chaque fois que j'ai vu dans la rue un grand couillon avec un panama qui pousse une petite voiture, tu ne peux pas t'imaginer comme j'étais jalouse. J'aurais voulu être à sa place, avoir cette air bête et ces gestes ridicules. J'aurais voulu faire ainsi, faux, faux, faux. C'était une grande souffrance. Et Félicité, je la regardais de travers. Et pour la moindre des choses, nous nous disputions, surtout à table. Je lui disais, c'est bien la peine d'avoir un estomac comme de monument et de ne pas pouvoir faire un enfant. Alors elle me répondait, si tu n'avais pas tant bu de piquant et de rinsolette, peut-être que tu serais bon à quelque chose. Et puis enfin, petit à petit, nous nous sommes habitués à ce désespoir. Mais le magasin ne nous intéressait plus. Nous n'avons plus vendu que l'article courant. Et alors? Pendant que je joue aux cartes dans les cafés comme un imbécile, les autres en ont profité. Certains messieurs Renault, Dion Bouton, Peugeot et Tutti Canti se sont mis à faire des moteurs. Et voilà pourquoi notre beau vieux port est tout en pulenti de pétrole. C'est parce que Félicité était stérile, tout simplement. Écoute, je sens que nous allons nous mettre en colère, hein. Que nous allons crier tous les deux comme des marchands de brousse. Et que ça finira que je t'étendrai une fois de plus. Alors, soyons calmes. Hein? Parlons posément. Je veux bien, moi. Bon. Eh bien, permets-moi de te dire qu'un vieux monsieur qui épouse une fillette, ce n'est pas joli, joli. Oui, c'est tout à fait déplaisant. C'est quelque chose qui déplaît. Moi, ça ne me déplaît pas. Ah, tu vois, tu viens de faire voir le fond de ton idée. Tu épouses Fanny parce qu'elle est jeune et qu'elle est jolie et que tu serais content de frotter sa jolie peau fraîche contre ton vieux cuir de sanglier. Mais hein? Non, mais non, mais non, ce n'est pas que pour ça. Oui, ce n'est pas que pour ça, mais c'est un peu pour ça. Eh bien, tu me dégoûtes. Je suis dégoûté. Mais c'est ton droit, sois dégoûté, que veux-tu que j'y passe? Je voudrais que tu ne me dégoûtes pas. Écoute, Fanny. Si tu refuses d'écouter les conseils de ton vieil ami, je me verrai obligé le jour de tes noces de t'attendre de... À la sortie? Non, à la rentrée. Mais qu'est-ce que tu me diras? La première parole que je te dirai, ce sera un grand coup de marteau sur le crâne. Et puis je te saisis, tu entends? Je te secoue, tu entends? Hein? Je te piétine, hein? Tu entends? Et je te disperse aux quatre coins des bouches du Rhône. Bon. Eh bien, c'est entendu. Eh bien, moi, si tu me donnes le moindre coup de marteau, même avec un marteau d'horloger, je te fous d'un coup de revolver. Et par la vermillature, un ravata. Oh, coquine de sort. Il manque plus que de roue pour faire un cadeau, dit. Écoute, César,
Il y a 40 ans que je te connais, et depuis 40 ans, tu te dis mon vieil ami. Mon vieil ami. C'est mon vieil emmerdeur qu'il faudrait dire. Ah, sois poli. Ouais. Depuis l'âge des chaussettes, tu m'empoisonnes, tu me tyrannises, tu me tortures, tu me supprimes. À 10 ans, tu m'empêchais de jouer au jeu qui me plaisait, tu me forçais de jouer au tien. Dans la rue, tu me forçais à porter ton cartable. Quand tu avais tapé 200 lits en classe, tu venais jusque chez moi pour m'obliger à le faire à ta place. Ouais, et toi, pendant ce temps, tu mangeais mes berlingots. Tu m'en as tellement fait de misère qu'à un moment donné, je les écrivais sur un petit carnet. Et je me disais, peut-être qu'en grandissant, un jour, je serai plus fort que lui. Et alors, quelle ratatouille je lui foutrais. Malheureusement, c'est toi qui as grandi le premier. Oh, folie. Folie de la persécution. Mais, et plus tard, quand j'ai connu Marie Frisette, et que j'en étais amoureux fou, et que je lui plaisais beaucoup, toi, tu as tout fait pour nous séparer, tôt, parce que tu étais jaloux. Moi, bon, j'étais jaloux de Marie Frisette. Ouais. Elle était horrible à voir. Hein? Elle était maigre comme une bicyclette, et elle louchait. Non, elle n'était pas maigre, elle était mince. Et elle ne louchait pas, elle avait ce qu'on appelle une coquetterie dans l'œil. Oui. À part ça, elle était ravissante. Oui, mais ce n'est pas d'elle que tu étais jaloux. C'était de moi. De toi. Ouais, tu étais jaloux de moi. Parce que quand j'étais avec elle, je ne t'obéissais plus. Et tu perdais ton esclave. Et voilà pourquoi tu nous as séparés. Et cette tyrannie abominable, elle a duré plus de 30 ans. Et tu t'imagines que maintenant ça va continuer? Tu as la prétention d'empêcher mon mariage. Mais non, de Dieu, avec cette balle de charrette venir, je te la fais éclater. La coucou. Tu as tué le scaphandre. Et d'abord, si j'épousais la petite, cet enfant aurait un père et un nom. Il s'appellerait Panis. Oh, mon Dieu. En tout cas, si par hasard, il s'appelait Panis, il s'appellerait Marius Panis. Hein? Oui. Marius César Panis. César Marius Panis. Oh, mais ça si tu veux, puisque tu serais le parrain. Ah, c'est promis. Ah, bon, oui, naturellement. Comme ça, tu t'occuperais de lui tant que tu voudrais et tu ne le perdrais pas. Et de plus, il serait riche. Écoute, César, il y a une chose que personne ne sait parce que j'en ai un pote. D'habitude, au café, quand on parle de la fortune des uns et des autres, moi, je dis toujours que j'ai 600 000 francs. Eh bien, c'est pas vrai, César. J'en ai plus du double. Non, mais tu es millionnaire. Et plus la valeur du magasin, ce qui fait 1,5 million. Fanny elle-même ne le savait pas. Maintenant, je le dis parce que c'est utile à la conversation. Dis donc, mais tu laisserais tout ça au petit, hein? Mais naturellement, puisque c'est mon fils. Oui. Mais alors, si moi, je lui laisse mon bar, il aura près de 2 millions. Dis, Fanny, à 20 ans, ce garçon, il va fumer des cigares comme le bras. Ah, si c'est pas une fille, ouais. Une fille? Et qu'est-ce que tu vas chercher, là, espèce de porte-malheur? C'est mal. Non! Non. Non, mes enfants. Ne faites pas ça. Il est brave, Panis. N'essayez pas de le rendre ridicule devant les membres de la famille. Qui c'est qui t'a dit que j'étais ici? Et comme toujours, mon petit doigt. Oui. Pourquoi tu ne m'as pas dit que cet enfant était de moi? Un enfant? Quel enfant? César, je lui ai tout dit. Tu n'as peut-être pas bien fait. Dans quel but veux-tu me cacher que j'ai des droits sur elle? Et sur son enfant? Des droits? Oh, mais je sais pas si tu as des droits. Écoute, papa, je t'aime bien, hein? Mais en ce moment, je te prie de me foutre la paix. Comme tu as bien dit ça, Marius, on voit que tu es un homme. Tu ne respectes plus ton père. C'est normal. À l'absence de son mari, tu n'as rien à faire chez Madame Honoré Panis. Allez, viens, fous-moi le père. Non, je ne m'en vais pas, je reste. Tu vas venir avec ton père. Ce qu'il a fait, Panis, c'est très bien. Il a recueilli ta femme. Il a donné un nom à ton fils. Maintenant qu'il est en voyage, pour assurer l'avenir à ton enfant, toi, tu viens la nuit chez lui comme un voleur pour essayer de lui prendre sa femme. Marius, il y a eu de tout dans la famille. Des corsaires, des douaniers, des contrebandiers, des imbéciles, et même des simples mastroquets comme ton père. Il n'y a jamais eu de saligaud. Alors tu restes? Oui. Bon. Je reste aussi. Ah. Marius, ton père a raison. Fanny! Mon mari. Non, et encore, c'est aussi. Tu as manqué ton train? Non, mais figure-toi qu'au moment où j'allais monter dans mon sleeping, je rencontre le docteur Cigalon. Et il me dit, après le pourpoint, que... Eh oui, alors tu vois, nous avons des visites. Marius? Bonsoir, Marius.
Bonsoir, maître Panis. Te voilà de retour maintenant? Non, mais pour quelques heures, seulement une permission très courte, très courte. Raconte-moi ce que t'as dit Cigalon, là. Pourquoi tu as raté ton train? Eh bien, figure-toi que je rencontre le docteur Cigalon et qui me dit que le petit de Miette a une coqueluche terrible depuis 8 jours. Oh. Enfin, qu'est-ce que tu penses de sa mère qui nous a rien dit? Mais qui m'emprunte les jouets du petit et qui me rapporte le lendemain? Eh tiens, ce matin, elle m'a encore apporté cette poupée. Oh, mais c'est terrible, la coqueluche de maladie terrible qui s'attrape rien qu'en la regardant. Un microbe invisible. Il est des millions et des millions de fois plus petit que le moustique. T'es le docteur te dit, tu le vois pas. Ah, puis alors décroché comme ça, terrible. Et cette saloperie, chaque fois qu'il voit un enfant, il se jette dessus, là, et puis il essaye de lui manger le gosier, tu comprends, et de lui faire des misères terribles, terribles. Mais il a touché cette poupée. Non. Comment est-il, le petit? Il est un peu chaud ce soir. Ah, boum dire, ouais. Tu crois pas cette garce de miette avec sa coqueluche secrète, là? Qu'est-ce que je vais lui raconter à celle-là demain, voilà? Mais Honoré, n'aie pas peur. Va lui prendre la température, va. Oui, hein? Va. Oui. Alors, elle sera longue, cette permission? Ça dépend. Ça dépend de ton capitaine. Ça dépend de Fanny et de vous. Eh bien, ça, au moins, c'est net, c'est franc. Allez, voilà. Mais je ne comprends pas très bien. Eh bien, moi, autrefois comme aujourd'hui, même quand j'étais loin d'elle, j'ai toujours considéré Fanny comme ma fiancée. Considéré? Ah, c'est un joli mot. Mais moi, je ne considère rien du tout. Je sais qu'elle est ma femme, tout simplement. Elle est ma femme et la mère de mon petit. Vous êtes sûr que cet enfant est votre fils? Écoute, Marius, ce retour, il y a 2 ans que je l'attends. Je peux dire que depuis 2 ans, je ne me suis pas couché un soir sans penser, et si c'est demain qu'il revient? Et s'il essaie de tout me prendre, qu'est-ce que je vais lui répondre? Mais depuis 2 ans, je t'avais préparé toutes mes réponses. Et maintenant que je te vois ici, je ne sais plus quoi dire. Honoré, ne t'inquiète pas, il est un peu rouge, mais il n'a pas l'air malade. La température? Oui. 37,2. 37,2, coquin, il n'a pas plus de coqueluche que moi. Assieds-toi, Fanny. Assieds-toi. Alors, toi, en somme, qu'est-ce que tu réclames? Écoutez, maître Panis, j'ai fait une folie il y a 2 heures. Mais maintenant, parce que j'étais bête pendant 1 heure, il faut que la vie de plusieurs personnes elle soit gâchée. Quelle personne? Fanny, moi, mon père et mon fils. Ben et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans? Vous avez été heureux pendant 2 ans. Et vous avez été heureux en faisant une bonne action. Ce que vous avez fait, je vous en remercie. Mais maintenant, il faut prendre votre courage et me rendre ce qui m'appartient. Oh, Marius, mais tu vas un peu vite. Donc... Ah oui, il a beaucoup de courage pour les sacrifices qu'il demande aux autres. Eh bien moi, ma réponse, la voilà. Lorsque je vous vois tous les deux, je vois très bien que je suis un gêneur. Alors... Eh oui, un gêneur. Il y a une chose que je dois bien faire pour me rendre sympathique, c'est d'aller me noyer par accident. Écoute, Fanny, je le ferai bien volontiers pour te rendre heureuse. Mais si je meurs, je verrai plus le petit. Alors moi, je refuse de me noyer. Je le refuse absolument. Mais Honoré, personne ne te le demande, oui. Personne ne me le demande. Mais moi, je viens de me le demander. Fanny, n'aie aucune pitié pour moi. Si tu aimes encore ce garçon, si tu crois que ton bonheur est là, eh bien tant pis pour moi. Tu es libre. Ça, c'est bien, si je veux dire, c'est pas égoïste. Mais l'enfant... L'enfant? Eh bien, il est à nous, l'enfant. Que je te donne l'enfant? Mais pourquoi tu me demandes pas mes yeux, mon foie malade, mon cœur? Oh, vous êtes malin, maître Panis. Si vous faites le grand généreux, vous dites, je donne la femme, mais je garde l'enfant. Parce que peut-être sans l'enfant, la femme ne partira pas. Eh bien non. Si vous êtes honnête, vous me rendrez mon fils, parce qu'il est mien. Ah non, Marius, le petit, tu ne l'auras pas. Peut-être que tu seras plus fort que moi pour parler à sa mère. Si tu restes ici, peut-être qu'elle-même un jour viendra me le demander. Eh bien, ne fais pas ça, Marius. N'essaie pas de me le prendre. Tu es jeune, toi. Si tu veux des petits, tu en auras d'autres. Mais le mien, laisse-le-moi. C'est mon seul, mon unique. C'est mon premier et mon dernier. Mais Honoré, qui peut te le prendre? Tu me connais si peu? Et encore si c'était un enfant ordinaire comme ceux qu'on voit dans les jardins publics. Mais justement, celui-là, c'est la merveille du monde. Ah, c'est vrai, tu sais, Marius, quand tu étais petit, tu étais beau. Mais celui-là, il est encore peut-être plus beau que toi. Oui. Oui. Tous ces discours, c'est très joli. Il a toussé. Il a toussé? J'ai rien entendu. Oui, personne ne l'entend. Mais moi, je l'entends. Zou, il est parti maintenant. Mais si l'enfant a toussé, c'est plus intéressant que toutes nos histoires, là. Eh, puisqu'il est mien, ce petit, ce serait à moi de me faire du mauvais sang, non? Mais justement, tu t'en fais pas. Non, Marius, il n'est pas tien.
toi, tu étais son père avant qu'il naisse. Comme... Depuis qu'il est né. Comme t'en es père de quelqu'un, c'est pour toujours, non? Non. Cet enfant, quand il est venu au monde, il pesait 4 kilos. 4 kilos de la chair de sa mère. Maintenant, il pèse 9 kilos. Et c'est 5 kilos de plus. Tu sais ce que c'est? C'est de l'amour. Et pourtant, c'est léger l'amour. Il en faut pour faire 5 kilos. Moi, j'ai donné ma part. Oh. Elle aussi. Mais celui qui a donné le plus, c'est lui, à Nice. Et toi, qu'est-ce que tu as donné? La vie? La vie, ah oui. Oui. Les chiens aussi donnent la vie. Non, Marius. Cet enfant, tu ne l'as pas voulu. Ce que tu as voulu, c'est ton plaisir. La vie, tu ne lui as pas donné. Il te l'a prise. Ce n'est pas pareil. Mais l'homme de Dieu, qui c'est le père? C'est lui qui a donné la vie ou c'est lui qui a payé les biberons? Le père, c'est celui qui aime. Elzéar va venir. Lui. Il ne parle plus. Pas un mot, pas un geste. Le docteur vient de passer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il est cuit. Il est cuit? Il est cuit. Oh, pauvre Noël. Monsieur Brun, Panis est cuit. Il a dit couillon. Oh, ben alors il va mieux. Il rêve peut-être. Il me semble que je suis mieux. Maintenant, je peux respirer. Moi, je crois que tu es sauvé. Oh, sauvé. Tu sais, écoute, Félix. Non, je n'écoute pas et je veux te dire mon point de vue. Mais laisse-le parler. Il a plus que 4 bouffées d'air et tu lui coupes tout le temps la parole. Puisque je veux dire quelque chose d'intéressant. Oh, c'est bien le moment de faire l'important, surtout un jour comme aujourd'hui, hein. Enfin, voyons. Qu'est-ce qui meurt ici? C'est toi ou c'est lui? C'est lui. Alors si c'est lui qui meurt, laisse-le parler. Alors ce drame lui a fait connaître des voyous bons garçons, enfin, qui ont fait faire des affaires toujours pas très catholiques. Mais ça veut dire s'il n'est pas revenu, c'est qu'il est en prison. Ah non. Il n'a pas passé très loin, enfin, il a manqué la porte d'entrée. Alors un jour, moi, je lui dis, voilà, tu vas quitter cette femme, ou tu ne reviendras plus chez moi. Ça se passait ici, au mois de février. Et alors... répondu conscient. C'était injurié? Pire que ça. Oui. Il m'a dit, je te croyais plus tolérant. Et alors? Tolérant, maison de tolérance, tolérant. Écoute, espèce de petit saligot, Marius, écoute bien, hein, j'entends, tu as fait ton service militaire, je n'ai plus le droit de te frapper. Mais si j'avais dit ça à mon père, il m'aurait jeté tout de suite à la rue. Puisque moi je te dis, fous-moi le cœur. La différence n'est pas très grande. Mais si j'avais dit ça à mon père, il m'aurait tué. Alors ton père est aussi bête que toi. Comment? Non, écoute, ne fais pas comme ça, tu vas avoir une attaque. Oui, toi aussi tu profites de ma faiblesse. Oh, d'ailleurs, ta faiblesse, c'est peine à voir. Écoute-moi, tolérant. Quoi, tolérant? Toi aussi? Mais, tolérant, ça veut dire large d'esprit. Plein d'indulgence, plein de bienveillance pour les fautes des autres. Oui, écoute, je connais la langue française. Mal, tu la connais mal. Alors, évidemment, moi, j'ai pas été allé à l'école comme toi jusqu'à 20 ans. Moi, à 10 ans, tu comprends, j'ai rincé les verres. Je le sais, mais je n'ai pas du tout la pensée de te reprocher ton manque d'instruction. Moi, je le constate. Moi, je t'apprends ceci. Ton fils Marius, t'as dit que tu te croyais plus tolérant. Oui. C'est-à-dire que tu te croyais plein d'indulgence et de bonté. Là-dessus, tu l'as mis à la porte pour toujours. Mais ça me paraît le compte de la stupidité. Oui, stupidité. Oh, puis il n'y a pas que tolérant, hein. Il m'a voulu pour d'autres choses. Pourquoi? Un an après le mariage de ta mère, il est revenu d'Australie. Honoré n'était pas là. Il allait partir pour Paris pour ses affaires. Marius avait trouvé ta mère la nuit. Moi, quand je l'ai su, je suis allé chez toi. Je suis arrivé à temps, tu sais. Je l'ai fait partir. Tu crois que sans ton arrivée? Elle l'aimait, tu sais, elle l'aimait trop. On m'a dit qu'elle m'a aidé à la faire partir, mais elle était bien contente que j'arrive. Parce que elle n'avait plus de force. Alors il m'a obéi. Oui. Je
J'ai pas d'instruction, enfin, je lui ai parlé de l'honneur, du nom, de la famille, enfin, je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Il m'a compris. Mais réfléchissant, après, il m'en a voulu. Et un soir, c'est parti tout d'un coup. Il a eu... C'est de ce soir-là qu'il a pu être mon fils. Je l'ai remplacé. Tu ne l'aimais pas assez? Moi? Non. Il a été toute ma vie, tout mon amour. C'est à cause de lui que je ne me suis pas remarié. J'ai été son père. Quand sa mère est morte, j'ai été sa mère. Alors évidemment, je ne disais pas des paroles de gentillesse, moi. Je n'ose pas. J'ai dit beaucoup de paroles d'engueulade, tu sais, moi ça me vient naturellement. Je croyais qu'il comprendrait, il n'a pas compris. Et un soir, il avait bu peut-être. Et l'irréparable est arrivé. Dans la vie, il n'y a rien d'irréparable. Oh, si, il y a des choses qui sont irréparables. Écoute, Césario, je ne l'ai jamais dit à personne parce que j'ai honte. Mais ce soir-là, dans la dispute, dans les injures, la colère. Si j'étais troublé, je lui ai donné une gifle. Il me l'a rendue. Oui. Bon, petit m'a frappé. Ah ouais, tu sais, c'est terrible. Un fils qui frappe la face de son père. Ouais, tu sais, c'est presque un parricide. Oh, il m'a pas frappé bien fort, bien sûr, mais enfin... Alors, après, il est resté tout bête, il croyait que j'allais le tuer. Bon, moi, j'ai rien dit. J'ai ouvert la porte, il est parti. Voilà. Mario va partir ce matin, c'est-à-dire dans quelques minutes. Il va s'embarquer, ce petit voirier, cette petite crapule de chauffeur, là. Il s'embarque sur le bateau de sa mère, vous voyez ici. Or, Césario nous a révélé le but de son voyage. Une visite à un ami. Eh bien, moi, je dis que cet ami, I, est une amie, I. Yeah. Et moi, je prétends que si le jeune homme a dit qu'il allait voir un ami, I, il n'y a pas de raison qu'il allait voir une amie, I. Yeah. Et pour quelle raison? Parce que par pudeur, il ment. Sais-tu ce que c'est que de mentir? As-tu entendu parler du mensonge? Là, César, tu vas un peu loin. À moi, il me demande si je sais ce que c'est que le mensonge. Moi qui le connais par cœur, moi qui le pratique depuis ma naissance, j'ai menti à ma nourrice, j'ai menti à ma mère, j'ai menti à mon père, j'ai menti à mes frères, j'ai menti à mon quartier maître, j'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes amis. Ouais, je vous ai menti à tous. Là. Et même en ce moment, peut-être que je vous mens. Et il vient me dire en pleine figure que je ne sais pas ce que c'est que le mensonge. Après cet aveu qui est peut-être, comme il le dit, à nouveau mensonge, il me paraît difficile de mettre en doute sa qualité de menteur. Et ce menteur affirme que Césario ne ment pas. Et à son avis, il va vraiment chez un ami. Pourquoi te mentirait-il à toi? Je lui ai dit plus de 100 fois, mais c'est un mot qu'il ne comprend pas. Par pudeur. La pudeur, c'est un sentiment délicat. Nuancé. C'est un sentiment très fin, très joli. C'est le contraire de l'escarpefiguerie. Bonjour, monsieur l'instituteur. Adieu, Pétu, ça va? Très bien, monsieur l'instituteur, très bien. Je voulais vous demander un petit service. Vas-y. Vous connaissez Casimir, le gérant du cercle, celui qui a le tabac? Oui, alors? Alors, il faudrait lui dire qu'il y a un chien mort dans son puits. Le puits du cercle. C'est Cassotte qui l'a vu tomber dedans. Si on ne prévient pas, dimanche, il nous fera boire de ses taux la crise. Alors, il faut lui dire. Et pourquoi Cassotte, il lui a pas dit? Ah, il peut pas. Ils sont fâchés. Ils se sont battus il y a 20 ans au régiment, alors depuis, ils sont fâchés. Papa, il va bien prendre l'apéritif au cercle le dimanche. Ah oui, mais il lui parle pas. Il commande à la bonne, comme moi. Parce que moi aussi, je suis fâché avec Casimir. Et pourquoi? Oh, ça vient de loin, hein. Son père était fâché avec mon père. Et mon grand-père était déjà fâché avec son grand-père. Et mon grand-père, il ne savait pas pourquoi. Parce que ça venait encore de plus loin. Vous pensez que ça doit être une chose grave, une bonne raison, hein? Oui, c'est vraiment un village de crétins. Hein? Mais non, monsieur l'instituteur, c'est un village où on a de l'amour propre. Voilà. Trois pelés, quatre tondus et tous fâchés les uns contre les autres. Mais on se rencontre quand même au cercle ou à la chorale. Ah, mais les fâchés ne se parlent pas. Ouais. Bon, mais ça va, j'avertirai Casimir, mais avant, je vais voir le pain du nouveau boulanger. Oh, Barnabé. Oh, Barnabé.
Alors, quoi? Eh bien, écoute-moi, ces trois hommes, ils te servent à rien. Ils sont juste au bord de ton pré. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire de les tailler? Au contraire, ça ferait des bois pour cet hiver. Oui, mais ces arbres, ils sont à moi. Ils sont chez moi. Je les taillerai si ça me fait plaisir. En fait, tout de même, quoi, tu vas pas m'obliger de couper les arbres qui sont chez moi? Oui, d'accord, les arbres sont chez toi. Mais leur ombre est sur mon jardin. Parfaitement, ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont juste au milieu de mon potager. Ce qui fait que toute l'année, et du matin au soir, cette ombre tombe sur mes légumes. Ils me mangent mon soleil, tes arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Il n'a pas tort. Écoute, Barnabé, oui. C'est pas de ta faute, mais pour lui, tes ormeaux sont mal placés. C'est peut-être son jardin qui est mal placé. En fait, si je me plaignais, moi, d'avoir des arbres superbes et de ne pas pouvoir me mettre à l'ombre de mes arbres parce qu'elle s'échappe chez lui. Enfin, l'ombre de ces arbres, elle est à moi, oui ou non? Mais oui qu'elle est à toi, et puisqu'elle est à toi, je te prie de la retirer de chez moi. Il le dit à sa façon, mais il n'a pas tort. Oui, j'ai compris. Il voudrait que je change le soleil de place. Il veut que tu tailles tes arbres. Il me semble que c'est son droit. Droit. Alors, il a tous les droits. Mais non, j'ai pas tous les droits, mais je dois vivre quand même, non? Tiens, Casimir, oui. Cette année, j'ai fait des épinards géants. Eh bien, je voudrais que tu les vois, mon ami, les épinards géants. Ils sont pas géants du tout, ils sont pas plus haut que du cresson. Ouais. Eh bien, fais du cresson, fais ce que tu voudras, mais mes arbres, personne n'y touchera. Ah oui, c'est comme ça. Eh bien, on ira au jeu de pied. Et en attendant, je te retire la parole. Oh, les vailles, Antonin, écoute, alors. Eh, laisse-le. Oh, tu te crois que ça me fait quelque chose, moi? Eh, qu'il fasse ce qu'il voudra, qu'il me parle jamais plus. Et si tu veux un jour qu'il me voit, il en rester la parole, c'est que je t'autorise de me cracher sur la figure. Non, 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 il y a pas de barre. Antonin, viens ici. Nom de Dieu, il a foutu le feu au four. Boulanger ! Boulanger ! Boulanger ! Boulanger ! Oh, boulanger ! Тебе! Були, в те! Ай-яй-яй, я були! Ой, те! Ай! Тебе, la fournée est perdue, un dimanche encore. Mais tu t'es endormi? C'est pas que je me sois endormi, je me suis pas réveillé. Allez, lève-toi, Borussol. Une blague, hein? Aurélie! Ça, c'est drôle. Ma femme m'a fait une blague. Non. Oui. Et elle s'est cachée. Mais où? Et j'en sais rien. À 2h du matin, je l'ai laissée dans le lit et maintenant, je ne trouve plus que le traversaire, elle n'est plus là. Sacrement, c'est un peu drôle. Mais c'est clé, qu'est-ce que c'est? Je sais où elle a été. Oui, elle a été au jardin. Oui, elle a été. Elle n'avait pas encore vu le jardin. Alors, elle est sortie sans me réveiller et elle a laissé ses clés. Parce que si j'avais quelque chose à prendre dans l'armoire ou dans la commode, elle a été au jardin. Parce qu'elle aime beaucoup le jardin, oui. Dites, voisine, regardez-moi un peu le magasin pendant 5 minutes et je reviens avec elle. Tu reviens avec elle, si tu la trouves. Et où tu crois qu'elle est allée? Ah, moi, je ne veux pas me dire de mal. Mais avec ce rouge-là et cette poudre, elle a un peu l'air d'une créature. Et en 4 jours, elle a peut-être déjà trouvé un gars-là. Mon Dieu! Pourvu que mon mari soit bien allé à la chasse. Ah, vaille, mais ne t'inquiète pas de ton mari, c'est pas ce genre-là qu'il lui faut. Et non, non,
Elle a peut-être trouvé quelque bel homme dans le genre de Patrice. Ou alors peut-être de ce coquin de Marquis. Oui. Et en ce moment, ils sont en train de se mignoter dans le fond d'une grange. Bye bye, bye bye. Je ne serai pas surpris, tu sais, quand elle reviendra, si elle a de la paille dans le dos. Oh, papy! Oh, papy! Vous n'avez pas vu ma femme? Quoi? Vous avez pas vu ma femme? Ta femme? Si je l'ai vue? Oui. Non, je ne l'ai pas vue. Je la connais pas. Je ne savais même pas que tu étais marié. Eh oui, il n'est pas venu une femme ici. Mais il en est passé une ce matin. Elle ramassait des limaçons. Une grande vieille avec un peu de barbe. C'est pas ta femme quand même? Ah non, c'est pas elle, non. Alors, tu es marié et tu ne sais pas où est ta femme? Eh oui, je le sais, elle est à la messe. Seulement, je croyais qu'en allant à l'église, elle n'allait passer pas ici. Oh non, ça, non. Merci. Ma foi, c'est peut-être pas à l'église qu'elle est. Enfin, quelle idée de se marier quand on est boulanger. Mais toi, en réfléchissant bien, tu n'as aucun soupçon, aucune idée dans la direction qu'elle aurait pu prendre? Mais la seule chose qui soit possible, c'est qu'elle se soit languie de sa mère. Elle y a été. Et pourquoi elle ne te l'aurait pas dit? Ah ben parce qu'elle a eu peur que je lui refuse. On peut tu sais que les femmes, on ne sait jamais. C'est tellement compliqué, c'est pire qu'une montre. Non, mais bon, c'est ça. Hein. Je comprends, mais, tout ça, la fatigue de l'installation. Alors, ça l'a énervé, ça lui a fichu un coup de cafard. Et elle a eu besoin de voir sa mère. Parce qu'elle aime beaucoup sa mère. Oh, si vous saviez comme elle aime sa mère, alors, oh là là. Oui. Elle va la voir souvent, je suppose. Tant qu'elle peut. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Moi, qu'est-ce que je fasse? Je pétris, moi. Évidemment. Mais là, rigolo, Olivier, qu'est-ce que je fasse? Tenez. Oh. Et alors, il n'y a plus de place dans ton carnier que tu le portes à la main? Oh, Fada, si je le mets dans le carnier, personne ne le voit. Et il est beau. Ah oui, il est beau, mais il sera dur, tu sais. Oh, il a au moins 3 heures, hein. Lui est le jaloux. Et toi, quand tu as tué ton chien Bastien, te croyant de tuer un lièvre, quel âge il avait, dis? T'es un boulanger, voilà tes grives. Oh, t'as une grosse et une petite. Le tordre, c'est meilleur, et la terre, c'est plus gros. Ah, merci, tenez, tu es brave. Hein. Demain, maintenant, de deux grives, il y en a une de reste. Sa femme a disparu. Oh, disparu, comment vous y allez? Elle n'a pas disparu. Et ça va, elle est plus là, voilà. Et tu ne l'as pas rencontrée, des fois? Ah, moi, je crois pas. En fait, tu as vu personne? Naturellement, j'ai rencontré du monde. Ce matin, j'ai vu le facteur qui montait. Il avait. Il était en bicyclette, tu sais. Et puis, j'ai vu un homme qui l'a bourré au plateau de la Badoque. Ouais. Et puis, j'ai vu. Il m'a semblé de voir un cheval qui passait là. Ah, oh, je te parle pas d'un cheval, je te parle de ma femme. Il était seul, ce cheval? Non, il avait du monde sur l'esquine. Mais une femme? Il m'a semblé une femme. Alors, c'est pas ma femme. Oh non, c'est pas monté à cheval. Non, non. Mais cette dame sur ce cheval, elle n'était peut-être pas seule? Ah non, il y avait un homme devant et elle se tenait à son cou. Oh, c'est pas ma femme. Oh non, non. Oh, elle n'est pas si familière que ça. Alors, dites-moi, en bonne logique, moi, si votre femme est allée chez sa mère sans vous prévenir de peur d'un refus, il me semble qu'elle aurait pu vous laisser un mot sur un papier. Hein? Mais évidemment qu'elle m'a laissé un mot. Quel grand imbécile que je fais. Mais oui, elle m'a laissé un mot. Je pensais pas, elle m'a laissé un mot. Dans la chambre, sur la commode. Oh, j'y vais. Merci, monsieur le titulaire. Allez, accompagnons-le, hein, il ne trouvera pas. On aime les femmes. C'est incroyable. Dis, c'était elle que tu as vue. Casimir, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, et surtout devant un ennemi. Ce que je peux te dire, même devant un ennemi, c'est que ce matin, j'ai vu un cheval qui passait et il descendait vers les marais. Il portait 2 personnes, un homme et une femme. L'homme ressemblait au berger du marquis et la femme ressemblait à la femme du boulanger. Alors, comme ça, elle est partie avec lui. Ah, pardon, monsieur le discuteur. J'ai dit ressembler, j'ai pas dit que c'était eux. Mais enfin, ça leur ressemblait. Et ça ressemblait à des gens qui s'aiment et qui s'en vont n'importe où pour s'embrasser bien tranquillement. Et si vous voulez mon avis là-dessus, ça ressemblait à des gens qui ne reviendront pas. Et notre pauvre boulanger ressemble bougrement à un cocu. Hein, fallait s'y attendre. On a beau s'y attendre, mais quand ça ne va pas arriver, ça n'arrive pas. Ah, c'est pas ma femme qui s'envolerait avec un berger. Elle n'est pas si bête, hein. C'est les bergers qui sont pas si bêtes. Et puis ta femme, avec les tétasses qu'elle a, c'est pas un berger qui lui faudrait. C'est un bouvier. Et qu'est-ce que tu veux? Des bouviers ici, il n'y en a pas, alors.
ferme la porte. Eh bien, mon pauvre aimable, tu es au courant? Courant de quoi? Ta femme. Vous avez des nouvelles? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles. Elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Avec le berger? C'est une plaisanterie, qu'est-ce qu'il y a de vous raconter ça? Ta femme et mon berger sont partis ce matin à 5 heures. Et pour s'enfuir, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval. Un cheval? Il l'aurait emporté sur un cheval? Eh bien, il n'a rien du tout pu de faire monter ma femme à cheval. Et si le tombe, qu'elle se casse une jambe? Oh, où peut-il bien être en ce moment? Ah, oh, ben ça, on n'en sait rien. Mais qu'est-ce qu'ils feraient ensemble tous les deux? Mais l'amour, tout bêtement. Oh, London. Voyons, monsieur le marquis, ils se sont vus hier pour la première fois. Mais pensez que quand je lui ai fait la cour, moi, elle a attendu 3 ans avant de me dire oui. Et encore, moi, c'était pour l'épouser. Ce n'est peut-être pas la même chose. Oh, non, bon Dieu, non, monsieur le marquis. Si vous connaissiez Aurélie, vous penseriez à tout sauf à ça. Tenez, nous sommes entre hommes, je peux vous faire des confidences. Hein? Oui. Eh bien, Aurélie, c'est une femme que les choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas. Parlez-lui de vendre son pain, de faire sa caisse, de raccommoder ses taracots, là, tout ça. Ça va. Mais si vous lui parlez d'amour, elle vous écoutera même pas. Non, non. Quand je l'embrasse, hein? Oui. Mais elle se laisse faire, sans dégoût, mais sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion. Et je vous en parle savamment, je suis son mari depuis 5 ans. C'est pour vous dire, monsieur le marquis, que malgré qu'elle soit belle, qu'elle soit élégante, qu'on aime la regarder, qu'elle semble faite pour l'amour, eh bien, l'amour n'est pas fait pour elle. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. Voilà, c'est une fleur sans parfum. C'est peut-être toi qui as enrhumé. Moi, oh, pas plus, jamais un rhume, jamais une angine. Puis enfin, c'est pas ça qui refroidirait ma femme. Non, écoutez, monsieur Martin, non, allez, votre histoire de berger, moi, je n'y crois pas. Bon, 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 bon. Alors, c'est ça, Scipion? Oui, c'est ça. C'est ça le cheval qui aurait soi-disant emporté ma femme? Non. Pourquoi non? Il n'y a pas une tête à ça. Boulanger, nous comprenons très bien. Vous comprenez rien, fichez-moi la paix à l'affaire, vous entendez? Et puis je vous défends de vous occuper de mes affaires. Laissez-moi m'occuper tout seul. Moi, j'ai laissez-moi travailler. J'ai besoin de faire mon pain. Allez, pas de faire au cercle. Parle de feignant, de rigolo. Oui, le... Cette fois-ci, dans le pain, on ne trouvera peut-être plus de cigares. Mais on risque d'y trouver des cornes. Il est curieux de constater qu'un mari trompé par sa femme est toujours un sujet de conversation assez comique. Pourquoi? Parce que c'est rigolo. Moi aussi, ça me fait rire, qu'est-ce que vous voulez? Cet homme qui s'amène tout fier de sa femme. Et la garce qui s'en va le premier jour. Oui. Avec un berger piémontais. Et lui qui ne veut pas le croire. Je dirais pas que c'est tordant, mais enfin, ça porte à rire. C'est joyeux. Ah, en tout cas, tout le monde ne parle de ça. Surtout les femmes, elles en ont même parlé devant monsieur le curé. Tant pis pour le boulanger, c'est un couillon. Dis, boulanger. Oh. Ce matin au jardin, tu m'as demandé si j'avais vu ta femme. Oui, tu l'as vu ma femme? Non, je ne l'ai pas vue. Mais j'ai vu ta sœur. Tu as vu ma sœur? Oui, la jolie, celle qui vend le pain. Tu es parent avec le berger du marquis? J'en ai bien peur. Il s'embrassait d'une force terrible. Merci. Ma foi, j'ai peut-être trop parlé. Il y en a qui sont jaloux de leur sœur. Bonjour, Boulanger. Alors, Boulanger, tu es cocu? C'est un mot rigolo, ça. C'est pour les riches. Moi, si ça m'arrivait, je serais pas cocu. Je serais malheureux. Tu comprends, c'est pas la même chose. À la tienne, voyez faire. Enfin, il faut toujours une parenthèse. Permettez, j'ai un mot à dire à Maillefer. Maillefer, tu m'as dit que j'étais cocu. Ouais. Bon. Eh bien, c'est un grade que tu n'auras jamais. Tu pourras suivre toute ta vie l'école des pelotons, des élèves cocus, jamais tu le sauras. Parce que pour être cocu, il faut avoir une jolie femme. Et la tienne, mon pauvre Maillefer. Elle a plus de poils au menton que de roses au bout des tétons. Monsieur le marquis, je vous le demande. Je ne peux plus faire de pain puisque mon levain est parti. Je vous comprends, mon fils. Oh. Écoutez-moi, mon ami. Oui. Vous avez l'estime de tout le village. Oui. Vous faites un pain délicieux.
Enfin, votre femme, par une erreur, mais tout à fait incompréhensible, vous quitte. Me quitte. Pourquoi blasphémer? Ne sentez-vous pas que la méditation et la prière sont les seuls remèdes à votre malheur? Mais les prières, c'est pour quand on a fait des péchés, mais du mal, je n'ai pas fait, moi. Qui? Quand? Alors, parce que le bon Dieu a permis que ma femme s'envole avec un gardien de mouton, il faut que j'aille lui demander pardon? Ah, vous savez, le bon Dieu, je le respecte, hein? Mais depuis aujourd'hui, il m'en doit. Oui, il m'en doit. Que cette femme soit partie, ce n'est un crime que pour elle, c'est certain, mais cela crève les yeux. Et puisque vous avez la conscience pure, réfugiez-vous auprès du Seigneur, il vous donnera tout ce qu'il ne vous doit pas. Il en parle à son aise. Vous voyez ce qu'il y a hier, votre bon Dieu, il ne s'en ira pas. Il est cloué sur la croix. Mais le mien, il est parti. Vous blasphémez encore, mon fils. Non, ne m'appelle pas ton fils, car j'ai l'âge de ton père. Et puis, ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Que je te souhaite de ne jamais connaître. Tout d'abord, tu es jeune et tu es prêtre. Tiens. Sainte Cécile, hein, Sainte Cécile. C'est la patronne de notre village. Elle est belle, elle est pure, elle est douce. Enfin, c'est une sainte, hein. Eh bien, si on venait te dire qu'elle est partie avec un berger, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que c'est absurde et sacrilège. Eh bien, moi, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis qu'elle est chez sa mère. Il est jeune. Il n'a pas touché la vie. Je suis seul. Et je suis dans le pétrin. Vous voyez, monsieur le marquis, qu'on a raison de dire de quelqu'un qu'il est dans le pétrin. Je suis dans le pétrin, et dans un pétrin qui ne pétrit plus. Parce que je dis qu'elle est chez sa mère. Seulement, je commence à douter qu'elle n'y est peut-être pas. Allez! Oh! Verse la porte ouverte. Je vais t'expliquer pourquoi. Mon père avait une poule faisane dans le poulailler qui lui servait à rien. Seulement, il aimait. Va chercher pourquoi. Dieu seul le sait puisqu'il sait tout. Alors un soir, comme d'habitude, ils ont fermé le poulailler. Ils ne se sont pas aperçus qu'elle n'était pas rentrée. Alors quand elle est revenue, elle n'a pas pu rentrer. Elle a passé la nuit dehors. Tu sais ce qui est arrivé? Le renard l'a dévoré. Laisse la porte ouverte, tenez. Pas peur, hein, elle est ouverte, elle est grande ouverte. Oui. Laisse la porte ouverte, tenez. Laisse la porte ouverte, tenez. Et maintenant? Notre ami le boulanger, si douloureusement éprouvé par cette fugue, mais qui sera consolé avant ce soir, va à son tour vous dire quelque chose. Mesdames, messieurs, je ne parlerai pas aussi bien que monsieur le marquis, parce que je ne pourrais pas, j'en suis incapable. Et puis, je me trouve dans une situation tellement critique que je ne ferai pas un beau discours. En plus, je suis gêné par cette lampe qui est au-dessus de ma tête, parce que j'ai peur, si je remets trop, de la casser d'un coup de corne. Vas-y, boulanger, vas-y! On t'aime bien, boulanger, vas-y, va! Je vous demande pardon si j'ai pas fait de pain aujourd'hui. C'est à cause du doute où je suis. J'ai plus la tête à moi. J'avais peur de vous fabriquer du pain avec de la sciure ou de vous pétrir des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, alors là, vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain comme vous n'avez jamais vu. Un pain qui sera si bon qu'il ne servira pas d'accompagnement pour autre chose. C'est un pain qui sera un délice, un régal pour les gourmets. Vous ne pourrez plus dire « j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». Vous direz « j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage ». Je pétrirai 5 kilos de pain tous les jours pour les pauvres.
Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci. Où est-elle? Elle n'est pas ici, mais on sait où elle est. Elle n'est pas loin. Vous l'avez vue? Non, pas moi. Écoute, c'est Maillefer qui l'a vue. Tu sais, Maillefer le pêcheur. Je revenais de Mérargues, avec Esprit, nous n'avions rien trouvé. Et nous étions un peu tristes à cause de toi. Et à l'entrée du village, nous avons rencontré Maillefer qui revenait. Et il m'a dit, j'ai vu la femme du boulanger. Quand? Il y a une heure. Où est-elle? Alors il m'a dit, ça, je vais le lui dire à lui-même. Alors je n'ai pas insisté davantage, parce que je le connais. C'est une vraie tête de bourrique. Si on le questionne, il ne répond plus. Mais vous êtes sûr qu'il a vu? Ah, s'il l'a dit, c'est qu'il l'a vu. Et il va venir te renseigner. Mais surtout, ne le questionne pas, n'est-ce pas? Et ne l'interromps pas. Sinon, il s'arrête, il se lève et il s'en va. Et vous, mesdames, tâchez d'écouter ce vieux maboule en silence. On dira rien. Il sait où elle est. Le voilà. Toutes les nouvelles. En avons-nous? Oui, nous ne savons pas encore lesquelles, mais nous savons que nous en avons. Maillefer l'a vu. Le voilà. Asseyez-vous tous et en silence. Bonjour la compagnie. Bonjour Maillefer. C'est ta fête, boulanger? Ce sera ma fête et c'est selon ce que tu me diras. Alors je crois que c'est ta fête. Asseyez-vous, Maillefer. Dis, tu as vu ma femme? Ah, écoutez-moi, hein. Si on me coupe quand je parle, je ne peux plus rien dire. Je ne sais pas si tu le sais, mais au concours de boules de Pérouis en 1926. Non, en 27. 27 ou 26? En 26, c'est l'année où ceux de Pommiers ont gagné le concours. Eh bien, au concours de boules de Pérouis, j'ai reçu une boule sur la tête. Elle touche la bosse, elle est là. Elle est toujours là, je l'aurai jusqu'à ma mort, touche la bosse. Oui, et depuis cette bosse, si on me coupe, je ne retrouve plus le fil. Va, parle, Maillefer, parle. On ne te coupera pas. Bon. Alors, ce matin, vers les 3 heures, j'étais dans mon lit, je pensais à ma pêche de la journée. Je me disais, le temps est au calme. Tu vas aller au brochet du côté du bourg de Roubaud. Tu as dû vivre dans le vivier du Beauvue. Tu iras au brochet. Je m'étais mis dans l'idée d'aller au brochet. C'était peut-être pas une bonne idée, mais enfin, parce qu'on avait le temps qu'il faisait. Si, c'est une excellente idée. Bon, alors, j'étais dans mon lit, comme je vous disais, et tout d'un coup, j'entends les feuilles des arbres qui bougeaient. Alors, je me dis, ça y est. Voilà le Mistral qui se lève. Alors je me lève et je sors. C'était un vent qui n'était pas trop fort, une espèce de Mistral un peu bastard qu'on aurait dit qui jouait aux quatre coins. Alors je me dis, adieu le brochet, avec une canne de 5 mètres et un vent pareil qui risque de forcir. Tu vas te casser le poignet, tu prends rien. Alors j'ai bien réfléchi. Et je me suis mis dans l'idée d'aller au marais de Bistagne. Et tu le sais, les marais de Bistagne, c'est un peu spécial. Ça n'est bon que vers le midi. Alors je descends au jardin, je prends 4 verres de fumier, des rouges, et je vais au cercle pour préparer mes cannes et mes crins de farance. Et pendant que je les préparais, tu es venu, tu as bu un pernaut, et tu m'as dit que je ne serais jamais coquin. Je t'en remercie. Et pendant que tu chantais comme un vrai fondu, je suis allé vers le marais en me cachant, doucement, et en arrivant derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Il me semble que j'entends chanter. Taisez-vous, vous autres! Il y a Maillefer qui raconte où elle est. Mais nous, on ne savait pas. Et où elle est? Il n'y a pas encore dit, mais ça s'approche. Allez, allez, j'ouvre, venez, j'ouvre, venez. Excusez-nous, boulanger. On ne savait pas que Maillefer avait commencé de parler. Et pour le coup de la corde et du tonneau, on a monté des bouteilles pour masquer le coup, tu me comprends? Il vaut bien mieux qu'on ne le sache pas. Mais taisez-vous, espèce d'ivrogne. Alors, Maillefer, tu t'approches de la haie et qu'est-ce que tu vois? Ouais. Qu'est-ce que je vois? Ça y est, je ne m'en rappelle plus. Oh. Ah, ça y est, une tanche.
Elle nageait tout doucettement, avec ses grandes nageoires ouvertes, et je me cache bien, j'amorce d'un verre en croix, et par-dessus la haie, je lance ma ligne. La pâle lui tombe même devant le nez. Hop, elle saute. Top, je la ferme. Alors là, ça a commencé. Il y en a première en se couche, je me méfiais. Alors je lui ai laissé du fil. Mais à la deuxième secousse, ça a été imprévu, hein. Et j'ai été surpris. Je croyais qu'elle allait tirer à gauche. Toc, elle tire à droite. Mon sillon, il était tordu comme une baleine en parapluie. C'est que c'est pas donné à tout le monde de pêcher une tâche. Tenez comme ça, et hop là, et en avant, et hop là. Et alors, à la troisième secousse... À la troisième secousse, tu commences de nous emmerder. Quoi? C'est un peu long, tu vois pas qui s'est ici, là. Tu le fais exprès de le faire attendre. Bon, on m'a coupé, je m'en vais. Non, il faut le maillot faire. Il n'y a pas de maillot faire. Il faut le maillot faire. Rappelez ta boîte dans la poche. Tu parles, dis. Tu parles, dis. Je compte jusqu'à trois. Ils sont dans une île. Dans les marais en face de la ferme Jamblin. Tu les as vus? Ouais, laissez-moi respirer, donnez-moi à boire, au monsieur d'un chassé. Mais c'est ça, c'est toi. Pas idée, Bertrand, tu le vois dans le caca. Parle, parle, la suite. Tu les as vus, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parle. Non, ne m'embouscule pas, hein, bon. Alors, pendant que je pêchais, hein, j'entends une voix de femme. Une voix de femme qui chantait. Ah. Oui. Alors je m'approche de Garapachon, me cachant, sans faire de bruit. Je regarde entre deux feuilles et qu'est-ce que je vois? Ta femme qui chantait. Le berger, lui, il était couché sur l'herbe, il jouait de la guitare. Mais pour ça, elle chante bien, ta femme. Hein. Alors si elle chantait, c'est qu'elle était contente. Elle en avait l'air. Surtout qu'elle était toute nue. Hein. Oh. Naturellement. Qui sait si c'est vrai? Bonjour, messieurs. Notre boulangère est en bas. Où? Au pied de la montée, elle s'est assise un moment sous la tonnelle du papet. Elle est avec le curé qui est en train de lui faire la morale. Mais pas de la morale méchante, au moins. Ah, vous savez, les morales ne sont pas toujours très gentilles. Oui. Enfin, il la fait pas pleurer. Non, non, au contraire, il la console. Mais elle ne veut pas venir jusqu'ici? Oui, elle veut bien. Seulement, elle ne veut rencontrer personne. Elle a honte, alors elle attend la nuit. Elle a même dit que si elle rencontrait quelqu'un, elle s'en retournerait. Ah, c'est la pudeur. Oh, monsieur l'instituteur! Oh. Ah, ça s'arrange bien partout, avec ta calotte conjugale, mais enfin, ça va. Seulement, voilà, il y a mademoiselle Angèle. Elle ne veut pas rentrer. Où elle est? Eh bien, elle est plantée au milieu de la rue, près du magasin du boulanger. Bon, eh bien, laisse-moi faire, j'y vais, moi. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh. Ah, mais non, pas avec moi! N'insistez pas, c'est inutile. Je ne bougerai pas d'ici. Je tiens à voir le piteur tour de la pêcheresse. Ah, je vois qu'on la regarde. Je vais la regarder, moi. Et sous une lampe encore, pour qu'elle me voie. Suffit d'être une femme perdue pour être la reine d'un village. Alors, à quoi ça sert, la vertu? Ah, rien, ma douce Angèle, rien. Oh, je suis heureux que tu t'en aperçoives. Tu as perdu 40 ans, mais tu vas voir, nous allons rattraper ça. Viens, viens que je dénude cette gorge, que je flatte cette croupe. Sérieuse à me communiquer, mais au grand jour et devant ma mère, car je ne suis pas celle que vous croyez. Pardon. Pardon de quoi? De ce que j'ai fait. Que tu as fait, qui te le demande? Tu sais? Bien sûr que je le sais. Je
table. J'ai été beaucoup inquiet. Tu ne m'avais pas dit que tu allais chercher ta mère, alors. Tu pars comme ça, là, sans rien dire. Ça te prend d'un seul coup. Mais... Hein? Tu n'as pas eu froid, moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut me faire. Ça me fait beaucoup. Maintenant que tu es là, je suis tellement content que tu reviennes, que tu vas pas me faire une maladie, au moins. Viens. Viens, madame, viens. Viens, sur toi. Sur toi. Viens. Là, tu dois avoir faim, hein? Je vais préparer un dîner pour moi. Je ne savais pas que tu vas ce soir. Puis maintenant, j'ai plus faim. Non, pardonne pas. Ça me fait mal. Mais ne parle pas tout le temps de pardon. Tu vas finir par me donner des idées, là. Ça ne t'étonne pas de me voir pétrir à cette heure-ci? Je sais pas. Parce que, Aurélie, il faut que je te dise quelque chose. Quand tu as été partie, mais je me suis mal conduit. Oui. J'ai profité que tu n'étais pas là. Et j'ai bu des apéritifs. Oui. Et j'ai plus fait de pain. Ouais. Et celui-là, qui c'est qui l'a fait? C'est moi. Il a une forme comique, hein? Je l'ai fait cuire dans le fond du fourneau de la cuisine. J'ai jeté un morceau de pâte au hasard, là, un peu comme s'il était allé tomber. C'est le seul que j'ai fait, et je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour moi, seulement maintenant il est pour toi, parce que c'est toi qui vas le manger. Allez, mange, ma belle, mange, mange, mange. Tu en feras. Ah, oui! La voilà! La voilà! Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La pomponnette? Dis, garce, salope, ordure! C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre Pompon, dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui? Oh, mais toi, tu réponds. Rien. Mais elle, si elle pouvait parler, si elle n'avait pas honte, si elle n'avait pas peur de faire de la peine au pauvre Pompon, elle dirait, il est plus beau. Beau. Qu'est-ce que c'est, cette petite différence de l'un à l'autre? Les Chinois sont tous pareils. Les nègres se ressemblent. C'est pas une raison, parce que les lions sont plus forts que les lapins, pour que les lapines courent après en clignant de l'œil. Et la tendresse, dit, qu'est-ce que tu en fais de la tendresse? Tu crois que ton berger de gouttière se réveillerait la nuit pour te regarder dormir? Dis, tu crois que si tu étais parti, il laisserait refroidir son four s'il avait été boulanger? Et pourtant, si on pense à tout, il est vieux, Pompon. Elle est jeune, elle pourrait être sa fille. Alors, si la nature l'a voulu. Tais-toi, aimable, tais-toi. Tais, tais. Regarde là, hein. Elle a eu l'assiette de lait du pauvre Pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Elle avait faim et froid. Bois le lait de Pompon, hein. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore? Elle ne repartira plus. Parce que si tu avais envie de repartir,
Il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel. Non. Pas diable. Plus jamais. Qu'est-ce que tu vas, Aurélie? Qu'est-ce que tu vas? Quoi? Les voix. Qu'est-ce qui te parle? Je ne suis pas bien. Tu vas te coucher, Aurélie. Non, je reste près de toi. Les voix. Viens. C'est le moment de rallumer le four. Nous réchaufferons tous les deux. Mais je veux bien que je rallume. Ah oui. Ça, c'est naturel. C'est bien, ça. Tu l'éteins quand tu t'en vas. Tu l'allumes quand tu reviens. C'est juste.